C'est sûr qu'il n'en a pas. Ah, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour Durando? Et c'est parti du côté de Nefertiti et du côté de Paris. Ah, des bombes, c'est pas mal. Avec l'épée, toujours ça donne très envie. Rend l'escape déjà assez intéressant. Le chat est en forme aujourd'hui. Bonjour Fly, bonjour Freemanounet. Très content de vous voir ici. Oh, un beau drop de magie. Ouais, c'était une chance sur deux. Et oh, le triple à 4 bombes, ben ça fait plaisir aussi. Par exemple, inventaire. Il récupère 16 bombes alors qu'il peut en tenir que 10. Inventaire de bombes rempli après 40 secondes de jeu. C'est quand même bien. Effectivement, c'est pas mal. On a la magie et on va dans les coffres. Oh les piles. Alors, c'est officiel. On va avoir une pet seed. La seed est trop gentille pour l'instant. What the hell? On a les bots chez l'oncle, alors... 50 secondes de seed et déjà les bots, mais rendez-moi mon rando. C'est vrai que l'oncle est assis. Il n'y en a plus rien de ses bots. Il n'est même pas debout, alors il fait bien de les donner à son... Oui, et la voilà. commande mode pour vous rassurer. J'ai été la modifier avant que le restream commence. Ah, comme ça, vous saurez. Et j'ai supprimé aussi les autres commandes mode qui existaient hier. Si, c'est très approprié. Ça va éviter beaucoup de confusion. Non, mais c'est vrai, hier, il y avait deux commandes mode qui coexistaient, donc qui n'étaient pas du tout adéquates avec l'acide. On est deux quand même sur l'escape, c'est très très classique. Ah, la bouteille. Mais des bonnes choses qu'on trouve quand même. La bouteille, c'est bien. Le kid, il sera pas isolé pour la suite. Absolument. Mais là, on voit que l'acide n'est pas entièrement généreuse. Il y avait une abeille. Mais sait-on jamais, peut-être que cette abeille va servir. Peut-être qu'ils vont la donner au vendeur de bouteilles. Bon, c'est une abeille dorée, non? Je viens plus, honnêtement. J'ai jamais fait ça depuis que je joue au rando. Littéralement un début explosif avec encore des bombes dans l'escape. On en a assez là, on peut en garder pour plus tard. Ouais, on en a trouvé 22 en 2 minutes. Hein. Parce que du coup, il y en a eu 6 et 16 dans Triple West, bien ça, 22 bombes quand même. J'ai envie de dire 22 en 2 minutes 22. C'est élégant. Oh là là. 2 Oh. Oula, attention. Là, on peut faire le coward et aller chercher un pot. Mais non, il fera les spins. Oh, ok. Voilà. Fistos qui appuie sur select. Et l'argent pour le village. Et le suicide aux bombes. Le mi-cœur était très important. Ouais, complètement. Et on ne va pas voir... Ah oui, on va voir dans le noir, c'est vrai. Hein. Non, on peut pas voir dans le noir. Oh non. Oh, c'est vrai, il n'y a pas de... On est en open mode. J'ai oublié une syllabe dans l'affaire. Après, c'est pas complètement idiot ce qu'il fait. Ah, effect. Il peut faire le backup escape très facilement aussi derrière. Parce que les deux... Je pense que les deux choix sont très, très, très... Stos qui profite de faire son... L'occasion pour faire son premier check de bombe. De bot, pardon. Je pense qu'on va aller voir aussi le Lumberjack. Les bots en logique très tôt aussi, ça peut être justement un indice quant à une agacide. Surtout, c'est facile d'aller voir maintenant qu'on se déplace rapidement. Qu'est-ce que t'aimerais voir sur... Petite pelle. Parce que la pelle ou la poudre ou... Parce que ça te met toujours le doute. Tu dis, ah peut-être. Peut-être j'en ai pas besoin. Mais peut-être j'en ai besoin. Je sais pas. Oh, et on a la carte de pod dans le noir d'escape. Et on a un 20 wow. rubis. Oh. Ouais. Soyez déçus dans le. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas dead non plus. Hein. La gacide est loin d'être dead. Hein. Oui, tout à fait. Et surtout la pet seed. Oh, très vivante aussi. Même si on a une carte. Paradox n'a pas trouvé de clé. Ce qui veut dire que la clé est derrière le gant. Peut-être même dans le gant. Ah, c'est pour ça que ça fait mal un petit peu, que c'est pas agréable. Salut Inzuma, bienvenue. Et map de Turtle Rock. Deuxième map assez importante. Oui, mais deux cartes qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant, qu'on va voir notre
connais. On pourra voir de quoi il s'agit. Très impressionné, Paradox, voir un nombre. Voilà. On va lui aussi voir faire un legacy facilement. C'est logique, hein. C'est logique et c'est très rapide aussi avec les. On sous-estime le bonheur que nous apporte le pot au début de seed. Et oui, tout à fait, c'est une speedrun de Link to the Past Randomizer. Nos deux joueurs vont essayer de compléter la seed le plus rapidement possible. On peut s'attendre à un jeu autour de. Entre 1h30 et 2h30, selon la trollitude. Oh, et on trouve la lanterne derrière de Blanc. Qui va mettre beaucoup de choses en logique très tôt, notamment possiblement en accès à la montagne. Mais oui, c'est le jeu Link to the Past qui est sorti il y a bientôt 30 ans. 30 ans. Sur Super Nintendo. Ouais, ça fait mal de dire ça comme ça. Et donc, les objets ont été mis de manière aléatoire dans le jeu. Et là, c'est une course entre les deux joueurs, puisqu'il s'agit du tournoi francophone 3ème édition. On est dans les phases de poule. Pour l'instant, rien d'incroyable dans le village, mais je m'attends à tout. Oh, il y a du nécro. Donc, on va pouvoir garder leurs 4 cœurs un peu plus longtemps sans avoir trop peur. Et on a trouvé l'appel aussi. L'appel, donc, qui ne sera malheureusement pas sur le piédestal, mais qui pourra cacher quelque chose d'intéressant. On va le savoir assez vite, j'en ai l'impression. Mais là, en termes de routing, c'est vraiment particulier. Hein. Ils ont la bouteille, les bottes et l'appel. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire toute la zone du village en entier. Oui, la seule chose vraiment qui manquerait, ça serait le marteau puis la poudre, mais faut pas exagérer. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Faut pas non plus pousser, hein. Et oui, absolument, il y a des donjons. On a selon ce qu'on considère comme un donjon ou non, il y en a 10, plus ou moins quelques-uns. On va minimalement en faire 7 pour devoir aller tuer Canon, le dernier boss de ce jeu. Toujours des bombes, alors on n'a vraiment, vraiment pas besoin d'aller en acheter pour l'instant, ce qui nous rend très heureux. On va pouvoir très bientôt avoir l'argent pour Zora. D'ailleurs, Paradox qui est à 462, ou que dis-je, ouais. 362 rubis. Le timing. Ah, j'ai pas eu le temps de voir, mais de toute façon, ça doit pas être important. Il a les bottes, j'ai les palmes. Ben, si on lance les palmes sur la bibliothèque, peut-être qu'on pourra faire tomber le truc. Bien vu. Je crois que c'était rien d'important. Non, je pense pas. Mais tout à fait, par contre, c'est un truc important à noter, donc on voit que Paradox, si je joue avec un carapuce, ça fait partie des 200 et quelques sprites disponibles quand on joue au rando. Mais ce carapuce-là est assez cool, même si je préfère toujours évidemment mon Popoy de Scred of Mana. Oh, ça c'est bien. Nice. Alors, non seulement ça va ouvrir des choses comme Skull Woods lorsqu'on va éventuellement avoir accès au monde des ténèbres, mais aussi, comme on est en logique avancée, il y a certaines pièces, comme la salle dans le noir, dans laquelle il y avait une carte, où maintenant... cette salle-là est en logique. Parce que toutes les salles, pour s'y rendre, ont des torches qu'on peut allumer avec la baguette de feu. Ça va être très agréable. J'avais complètement oublié où on allait là. Je voulais te le dire, mais je me suis dit, je vais le laisser s'enfoncer un petit peu. Merci, ça va. La honte va me rappeler de ne plus faire ça aussi souvent. Mais non, mais c'est un classique. Mais c'est vrai que c'est important en plus. Oh, Red Mail. Donc on va prendre très peu de dégâts. C'est important en logique avancée. La Fire Rod rend en logique certaines pièces du jeu. Et ça peut être vital de le savoir. Inuzuma Japon, probablement que nos joueurs sont sur émulateur, mais il est tout à fait possible. Il y a des joueurs qui ont des cartes de capture vidéo qui peuvent jouer sur la vraie console aussi, avec par exemple SD to SNES ou un Drive. Donc c'est tout à fait possible. Jeu accessible qu'on t'invite à essayer si ça t'intéresse. On a une très belle communauté.
Voici. On l'a voir. C'est pas facile les commandes, hein. Voilà. Alors, il y a quelques liens ici pour joindre notre communauté Discord si tu veux plus d'informations. Il y a beaucoup de gens qui pourront t'aider, beaucoup de liens vers des ressources. Alors, venez faire un tour et à continuer à poser des questions dans le chat. On est très heureux d'y avoir. Tout à fait. Et l'arc, donc là, c'est Eastern. Et oh, bon boss. Hé, hey, Somaria hey. Oh là 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 là. Alors, on a trouvé la Hype Cave. Ouais, oui, la True Hype Cave, elle est là. Elle est là. Et là, on a vraiment toutes les sources de feu possibles dans cette partie-là. On a Bombos, la Fire Rod et la lampe. Exact. Et bien sûr, la Master Sword qui était peut-être un peu rouillée. On va en faire bon usage quand même. Alors, à noter aussi Inzuma, parce que je vois que tu es nouveau. Nous sommes les commentateurs, donc on a nos noms en bas. Moi, c'est Grink et lui, c'est Juif. Et là, tu vois les deux runners et tu vois le nom des runners au-dessus de leurs écrans respectifs. Donc, c'est pas nous qui jouons actuellement. C'est des runners qui ont un stream qui est décalé de 10 minutes pour éviter toute triche, en fait, tout simplement. Parce qu'il s'agit comme d'un match du tournoi. C'est pas forcément plus simple à lire un stream quand on arrive comme ça. Donc voilà, je pense que c'était important de notifier. Merci, Grink, effectivement. Et qu'on vient de trouver, on était très content de voir Bombos puis la canne se marier. Pour l'instant, ça nous ouvre rien parce que c'est vraiment des objets qui sont utiles. Ouais, mais ils seront utiles pour la suite. Ouais, exactement. Là, on cherche encore notre accès au monde. Pour ça, on a besoin du marteau et des gants et de la perle de lune. Ou des moufles et de la perle de lune. Sinon, ben éventuellement, Aghanim, parce que là, on a la lanterne et Sword. Donc, on a ce qu'il faut pour aller tuer Aghanim. Et donc ça sera là qui nous donne l'information, le pont anti-vert est sur Skullwoods, qui est très facilement faisable. Et la Moon Pearl qui est là, dans le bag de ça sera là. Ouais, on voit Paradox et je pense qu'il va suivre Nephistos. Ça save and quit à l'Ice Rod Cave, on n'a pas envie d'aller faire du fake flipper. Parce que l'intérêt de faire un fake flipper, c'est d'aller dans la zone de Zora et Obo. Mais ça demande d'avoir la Moon Pearl pour aller dans Waterfall Cave, donc très logique pour l'instant les deux joueurs qui font les mêmes choix. C'est un petit peu linéaire. Mais en bien. Et on avait aussi assez d'argent pour aller voir Zora, donc ça. Ouais, et les deux qui vont aller dans Eastern aussi, c'est très logique, hein, c'est le seul donjon finissable. Il y a beaucoup de choses à récupérer dans ce donjon. On vous rappelle donc qu'on est en map campus shuffle, c'est-à-dire que les cartes et les boussoles ne sont pas dans leur donjon respectif, et une épée fait toujours plaisir. Donc ce qui fait que on a normalement la liste des donjons, on a le nombre d'objets randomisés qu'il y a dedans. Et bien là il y a plus d'eux, puisque les maps et les maps et les boussoles ne sont pas dans leur donjon. Donc typiquement il y a 5 objets dans Eastern Palace et la grosse clé. Donc ça va être très intéressant pour les deux joueurs, et là surtout on y a Tempered Sword et en Red Mail. Bon, déjà le tracker est rouge, comme j'ai jamais vu un truc aussi rouge. Et les gants qui sont là. Peut-être un marteau par la suite. Ou peut-être le Emerald. Les gantlets de cuisine. On m'attend un petit peu à tout. Et surtout, peut-être une bonne chose dans le gros coffre, je pense. Un petit bug qui a été fait du côté de Nephistos, on tue les ennemis avant qu'ils ne spawnent. Toujours très pratique. Un petit gain de temps, évidemment. Les indices sont désactivés, puisqu'il faut savoir que ces petites tiles, petits carreaux télépathiques avec lesquels on discute avec Sasrala normalement, du coup, peuvent nous donner des indices quant à l'emplacement de certains objets. Mais là, ils sont désactivés. Si on parle, le jeu va vous dire. Je crois que cette tile vous dit d'utiliser l'arc sur les Igor ou quelque chose comme ça. Et là on vous parlait de logique et de lampe, et ce qu'il faut savoir c'est que là comme on a la lampe, on a le cône de lumière, et on ne l'a fait pas tout à l'heure dans l'escape du côté de Paradox. Et c'est pour ça qu'on vous parle de logique dans les sets dans le noir, c'est que la lampe vous permet de voir les ennemis et le contour. Mais c'est possible de le faire sans. Absolument, il y a bien des choses dans le jeu qu'on peut faire qui sont techniquement possibles, mais pas nécessairement faciles.
Je pense entre autres, personnellement, c'est la salle dans le Bourbier de Souffrance, là, Misery Mayer, le donjon du monde des ténèbres, que si j'ai pas la lampe, je vais abandonner, je vais aller faire autre chose. Oui, c'est pareil. Complètement pareil. Ah, mais tout à fait, oui, ça ressemble à Link Between Worlds, qui était puisque c'est le remake de ce jeu. Je l'ai pas fait, mon frère l'a fait, il m'a dit que c'était très bien. Le petit remake sur 3DS. Qui avait l'air tout à fait charmant. J'en ai entendu que des bons commentaires aussi. C'est aussi le remake sur Game Boy Advance. Et je n'y ai pas joué. Mais je me souviens avoir été mystifié en étant gamin en voyant quelqu'un jouer à Link to the Past sur une Game Boy Advance. Alors je lui dis, mais c'est un jeu de Super Nintendo, comment tu as fait? Qu'est-ce que c'est que... c'est quoi cette sorcellerie? Je me suis endormi, je suis pas dans la même dimension. Qu'est-ce qu'on aurait donné dans notre enfance pour avoir accès à ce jeu-là de façon portative? Oh là là. Ah, moi j'avais quand même déjà beaucoup de jeux sur Game Boy, donc je me plaignais pas trop. Ah non, c'est sûr, mais c'est pas pareil, les jeux sur Game Boy et Link to the Past. Ah non, oui. Ça, c'est pas le même calibre. Alors, j'ai eu envie de dire très brièvement, qu'est-ce qu'on va avoir comme boss, Moi aussi. Mais non, c'est derrière moi, c'est sûr, c'est bon. Ils sont vanilla, c'est les boss de base. Oui, donc au nouveau, il y a des possibilités dans le randomizer de changer les boss du jeu, les aléatoiriser d'un donjon à l'autre, mais c'est pas le cas ici. On a les boss du jeu original. Donc, Armos compte des faits très aisément avec des flèches et Nephistos qui ramasse le premier cristal acide à 16 minutes 34 et des poussières. Très propre. Et le Dimdimo, et tu vois que voilà, ce tracker est rouge, comme il n'a jamais été aussi rouge de sa vie. On vient de trouver un rubis en plus sur le boss, hein, donc... Alors, dans le rouge, il manque la cape, le champignon. C'est deux objets que j'aimerais trouver parce que ça indique... Et deux boucliers. Oui. Pas le troisième, parce que le troisième, il fait laguer en plus. Alors, est-ce que c'était le Quick Kill? Non, Paradox qui improvise un petit peu son boss également, tout comme Nephistos. Il y a une manière très rapide de tuer ses ennemis avec un setup particulier que je ne connais pas moi-même, hein, donc... Pas de jugement, on est dans une autre judgment zone. Est-ce que Nephistos est allé voir... Ok, voilà. J'étais pas sûr s'il avait fait un Hoolian ou aller voir le Back of Escape. Oui, il va voir le Back of Escape. Bah, il a trouvé son gant dans Eastern, donc ça le poussait à venir ici. Et il va trouver sa clé, donc il va pouvoir aussi faire le Back of Escape. Le Dark Cross. Ouais, et avec la lanterne, bah, ça va aller un peu plus aisément que ce que Paradox a fait tout à l'heure. Alors, Paradox, je présume qu'il va faire la même chose. C'est sûr qu'après, la montagne pourrait être intéressante. On a accès à la montagne avec les gants et la lanterne. Oui, je me demande si c'est la montagne qui va donner la solution ou non. Parce qu'on pourrait techniquement avoir un joli marteau dans Pod, finalement. Ou sur la pyramide. Donc rien n'est fait pour l'instant. Les deux qui vont être quasiment synchronisés, hein, puisque Paradox va s'éveiller une quitte après ces trois coffres-là, puisqu'il a fait le coffre dans le noir que Nephistos vient de faire. Donc je pense qu'ils vont être quasiment en tête à tête dans la montagne. Pas d'autre chose à faire de toute manière. Alors on va aller prendre un petit peu d'air frais d'Hyrule. Pas que Hyrule est vraiment pollué, il y a de l'air frais partout dans Hyrule. Sauf dans Mayer. Enfin, ça s'appelle un bourbier, donc il faut être logique. Hein. Alors, le vieil homme est en logique sur la montagne. On a aussi le rocher du spectacle, Spectacle Rock. Pour ceux qui connaissent le terme anglais, spectacle fait plutôt référence à des lunettes ou à des jumelles, mais moi je trouve que c'est un bon rocher pour faire du spectacle parce qu'il est surélevé, c'est comme un peu une plateforme, comme un stage. Donc s'il y avait un groupe de musique dans une scène, c'est ça, c'est une scène pour Queen, tu vois, typiquement j'aurais bien Freddie Mercury là-haut. Oh, hey, les pannes. Zora. Oui, on a presque l'argent pour Zora. On a maintenant ce qu'il faut pour aller voir le hobo, pour aller voir la fée dans la sous la chute, sous la cascade. Ouais, et après, il restera Gina, et ce sera tout pour les tchèques.
Il faudrait faire un ganim après pour aller au Dark World si on trouve pas d'accès dans ces checks-là. J'aime bien ça. J'aime bien ouais, ta façon de voir les choses. Bien sûr. Et c'est pas ici. Il y avait 50 rubis et 3 bombes. Paradox, où vas-tu? Je crois qu'il va peut-être faire un petit map check. Non, il va chercher les 50 rubis. Pour aller vers Zora, c'est vrai que c'est pas idiot. Néphistos qui est parti, peut-être un petit peu hâtivement, finalement. Ouais, mais il va aller faire un Houlihan, Néphistos. Ça fonctionne également. Ah, voilà. Donc, Néphistos va avoir l'argent complet. Il y en a assez dans la salle d'Houlihan. Mais là, il manque 11 rubis à Paradox, je crois. Il devrait être capable de les trouver à quelque part en chemin. Oui, très certainement. Donc là, il va faire un petit bug. Il s'est décalé, le jeu sait pas où le mettre. Donc, il va aller dans une salle... La salle de debug, la salle par défaut du jeu, qui est la Chrysalian Room. Et salut Inzuma, à la prochaine. Et donc beaucoup d'argent, excusez-moi. Notamment pour la suite du jeu, on aura besoin de 220 rubis avec Pod et le Chess Game et le Digging Game. C'est pas non plus idiot ce que vient de faire Néphistos. Un petit peu plus lent, certes, mais il a plus de rubis pour la suite. Effectivement, le jeu, le Digging Game et le Chess Game, on y a accès quand même assez tôt normalement lorsqu'on va dans le monde des ténèbres. Si on trouve par exemple le marteau, ben on pourrait très bien faire le High Cave, puis ensuite aller voir le jeu de l'appel, oui exactement. Grain comptable. Ah oui, c'est ma deuxième formation. Et Paradox qui save and quit après avoir été voir le hobo. Je pense que c'est peut-être plus rapide de Seven Quit et de repartir de la maison. Ah oui? Ah ben, plus que de nager. Avec les bottes. Mm-mm. C'est vrai que si on n'avait pas les bottes, probablement que... Voilà. Sans les bottes, ce que Néphistos ferait serait plus rapide. Mais... Ah non, il va voir Aguina! Ouh, Gamble. Ah bah oui, mais il n'a pas l'argent. Dommage, il aurait pu le farmer quelque part, mais non, il n'a pas l'argent. Le farmer quelque part ou espérer qu'il y en ait... En fait, il va le farmer là, je pense. Ouais, ah, ouais, voilà. C'est pas idiot comme ça, il aura son argent. Il y a 50 rubis dans cette cave, c'est important de le savoir. Il y aura l'argent rubis, il aura assez, ouais. Et je présume qu'il va peut-être aller voir Aguina en même temps. Je veux dire, tant qu'à avoir fait ce petit bout de chemin-là... Non, c'est pas idiot du tout, j'aime bien. C'est vraiment pas idiot. Ah, il en reprend. Comme Néphistos, les deux vont avoir... De l'argent pour la suite. Et on a trouvé un rubis rouge et quoi d'autre? Et de rien, genre des bombes. Enfin, ah bon. Donc il reste Zora, Zora Ledge, Aguina, et ce sera tout. On va voir bientôt la réponse. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Ouais, on n'a pas le livre pour accéder au désert, on n'a pas de miroir non plus pour accéder à la tour des rats. Il va rester à Ganim. Ouais. Eh ben on va avoir la réponse quasiment simultanée. Non, avec un petit peu de décalage quand même. Ouais, parce qu'il va aller voir, ce qu'il y a sur Desert Ledge. Oh, la Ice Rod. Ah. Et ce n'est pas Zora la réponse. Zora qui a seulement la carte de la tour de Ganon. Notre carte Zora préférée. De l'univers. Le pire Zora qui puisse exister. Ah, vraiment, elle ne sert à rien. Oh non, c'est pire que le rubis vert simple. C'est même pire que la boussole de la GT. Hein. C'est vrai. La boussole de la GT nous aide pour le jeu de la clé. Et Aghanim! Oh, on a un agacé d'excellent. Et Néphistos s'y dirige immédiatement, donc il va même pas voir Aguina. Ah, oh, quelle joie! Alors, en tant que commentateur, oui, c'est de la joie. En tant que runner, c'est un peu casse-pied. Hello, Gali. Hello, Galou, oui. Alors, au moins les deux joueurs vont avoir fait toutes ces vérifications-là avant d'avoir été faire gagner. Mais il n'y en a pas un qui aura fait quelque chose de plus que l'autre. C'est pas mal équivalent. Mais là, Néphistos a une petite avance. Oui, légère avance qui peut payer. Néphistos a laissé donc Aguina derrière. Oui, donc éventuellement, il va aller le voir. Il ne sait pas que la Fire Rod est cachée sur la corniche du désert, mais... Ouais, ça... qu'est-ce que j'ai dit? C'est la Fire Rod. Ah bah. C'est pas très grave, mais je voulais te reprendre hein, que ce soit quelqu'un du chat qui le fasse. Oui. c'est toujours moins agréable. Merci. Puis faut croire que j'aimerais savoir encore davantage de rouge dans l'inventaire de nos joueurs. Ah, mais il peut trouver des cœurs et des cœurs de cœur. Ah oui. Bah, ça sera pas dans l'inventaire, mais ce sera. C'est même mieux, c'est affiché constamment. C'est là, il sera. Merci Waterloo.
Mais d'ailleurs, rappelons qu'une autre des options du randomizer est de changer la couleur de nos cœurs. On voit que Paradox a des cœurs bleus. Ouais, c'est logique, c'est un Squirtle, c'est Carapuce. Il est typo. Est-ce que tu crois que Pikachu, par exemple, aurait des cœurs jaunes? Est-ce que son sang est jaune? Je pense. Je pense qu'il y a des vidéos sur YouTube pour t'expliquer ça, mais je... les grandes théories, etc., fumeuses, mais moi, je ne suis pas partisan de ce genre de choses. Non, je me dédouane très vite. Je vais laisser ça aux experts. Alors, avec l'épée trempée, la lanterne, tout ça, la montée d'Aghanim sera un... J'oserais dire un jeu d'enfant. Ouais, c'est vraiment, vraiment plus simple que... Normalement, on est en Master Sword. Et là, tous ces ennemis meurent d'un spin. Oui, de slash, alors que c'est un petit peu plus galère, je trouve, avec la Master Sword. Oui, et on aurait pu utiliser aussi la baguette de feu, mais avec l'épée trempée, il n'y en a pas un très gros intérêt. Alors là, il pourrait garder, tu vois, bon, il va utiliser Fire Rod. Il aurait pu te donner deux coups de flèche pour éviter de se faire pousser par le garde. Mais c'est pas mal aussi, la Fire Rod, ça permet de le tuer rapidement. Alors, est-ce qu'il passe par la gauche ou par la droite? Normalement, on passe toujours par la gauche, mais peut-être par contrariété, passera-t-il par la droite? Eh non, tout le monde passe par la gauche, on sait pas pourquoi. C'est une bonne remarque. Je vais essayer de penser ma prochaine partie, si Aghanim est là. Pour casser les pieds des commentateurs, tu vois. Et d'ailleurs, dans le château d'Hyrule, au début aussi, quand on ramène la princesse, qu'on remonte les escaliers, est-ce que c'est aussi rapide d'aller à droite? Ben, je pense. Mais tout le monde va à gauche aussi? Mais pour moi, c'est parce que t'as la main gauche qui est sur le stick. Et du coup, c'est plus simple d'aller à gauche qu'aller à droite. Parce que tu vois, c'est le pouce qui se ramène vers toi. Ah. Alors que pour aller à droite, tu pousses, tu vois. Donc c'est une question de confort. Je ne sais pas, mais pour moi, c'est ça. Mais en attendant, Néphistos qui est sur Aghanim. J'ai pas vu de boule bleue pour l'instant. La question filée, oui, terrible. Et une première boule bleue, justement, il faut que j'en parle. J'allais malheureusement proposer au chat qu'on pourrait essayer de prédire le nombre de boules bleues, mais là, on a déjà vu le combat commencer du côté d'Néphistos. Et pour les nouveaux, il y a certaines choses aléatoires qui sont, disons, standardisées pour le randomizer. Alors, Paradox et Néphistos vont avoir exactement le même nombre de balles bleues s'ils font le combat adéquatement contre Aghanim. Bon, c'était rapide quand même, hein, cette petite montée de la Gat Tower et le kill. Oui, mais ben on... Où est-elle? Je crois qu'on a eu juste une boule bleue. Ouais, tout à fait. Oh, hello Speed Gaming! Hello Speed Gaming, welcome! Welcome to the French Journey. This is group stage, Paradox vs Néphistos. Lots of things, an Agaseed, and we're looking for Hammer or Mitz. Peut-être 4 fiches. Il va pas dans... Il y avait rien sur la pyramide, il va pas dans le pod. Hein. Non, effectivement, c'est peut-être un peu moins tentant sans le marteau, mais... Ah, il y a la carte, par exemple. Il pourrait vérifier si pod est un cristal ou un pendentif. Ouais, tout à fait. Ce serait pas une grosse perte de temps, justement, de rentrer dedans si c'est un cristal. Oh, Harrod qui nous sort la réponse, on peut pomper, donc avec quand on va dans les directions à gauche ou en haut. Donc, Alors, je pense que tous les gamins sont passés par la gauche en faisant un Aghanim et ils savaient pas le pumping. Hein. je me permets d'être un petit peu critique sur cette chose, mais par contre c'est plus rapide, ça je suis d'accord. C'est peut-être pas pour ça qu'on le fait, mais c'est une bonne explication pourquoi on devrait. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On s'est jamais posé la question de si on devait le faire ou non, tu vois. Mais j'aime bien ton explication aussi, on peut très bien combiner les deux et, et ça me satisfait. Bon, alors la réponse n'était pas sur la pyramide, n'était pas à 4 fiches, alors ça va être dans pod, effectivement. Avec le vanilla? Oh oui, ça serait le fun. Avec une... Mais la grosse clé, par exemple, j'aimerais ça que la grosse clé soit pas vanille, parce que ça veut dire qu'il pourrait faire le... Je pourrais faire le hammer jump et trouver le marteau un petit peu plus rapidement. Ah, ce serait beau. Et... Ah, où on trouve le grappin. Et le grappin, il nous permet d'aller à gauche vers le village. Oui, ça me conviendrait bien aussi. Tu vois.
Et l'homme ou le miroir, pour le miroir, pour retourner dans la montagne, ou le livre pour aller, tu vois, dans les donjons du Light Warp. Ou le champignon pour faire un 7 coups puis aller. Oh my god! Les possibilités sont infinies! Et le champignon aurait l'avantage d'ajouter du rouge dans notre inventaire. Ah, et... c'est vrai. Cristal rouge sur Turtle Rock, Pod Pendant et un cristal sur Swamp. Intéressant. Oui, pendentif vert sur Skull Woods aussi, on l'avait vu déjà en parlant à notre cher ami... Ça sera mal clair. Exactement. C'est plus drôle à l'écrit, mais c'est pas mal à l'oral aussi. Alors, un pendentif rouge à Pod, est-ce que si jamais on trouve le marteau dans le gros coffre et qu'il reste un objet sur le boss, est-ce que tu continuerais? Ça dépend, c'est pas faux. Ça dépend de contre qui je joue, je pense. C'est un peu un gamble, mais je pense qu'en vrai, je partirais quand même. Parce que le marteau, il t'ouvre le jeu de manière beaucoup trop violente, je trouve. T'as vraiment une trentaine de checks qui s'ouvrent à toi avec ce marteau. Donc prioriser un boss pendant, c'est pas non plus le truc le plus dingue. Mais ça pourrait marcher. Hein. Y a le grappin sur Elma. Tout ça, c'est du gamble. Hein. Ouais, puis on sait toujours pas s'il y a quelque chose sur le piédestal non plus. Non. Il pourrait y avoir bien des choses. Là, on a quoi? On sait que Pod et Skullwood sont des pendentifs, donc quand on va avoir le troisième, on va pouvoir commencer à spéculer un peu plus adéquatement. Le paradoxe, c'est aller à l'avant, de manière amusante. Pas fait le côté droit. Petite clé, mais où sont les objets? Le palais des petites clés porte très bien son nom. Le palais des petites clés. Ouf, un Death Warp avec ces ennemis-là, avec la tunique rouge, c'est un peu long, mais on va y aller. C'est un travail de patience, hein, mais ils font des quarts de cœur de dégâts, c'est terrible. Mais c'est bien vu. Ouais, pas de miroir, pas de marteau, on n'a rien vraiment de mieux à faire. Alors là, armé de trois petites clés, maintenant deux, Nephistos va pouvoir se promener à sa convenance dans ce donjon. Alors, Wergon, non. Makiti ne peut pas avoir le marteau. Malheureusement. Puisque c'est par définition, on trouve le marteau dans ce donjon, donc le boss ne peut pas, y aller sans avoir le marteau. On a besoin... C'est drôle, Oh, le miroir. Et voilà la progression. La tour des rats. La tour des rats. Mais Nephistos continue. Est-ce qu'il va retourner? Il reste des objets encore. Eh oui, il retourne. Ok, ça pourrait faire une différence intéressante. Parce que s'il n'y a rien, ben Nephistos est en train de perdre du temps. S'il y a quelque chose, il est en train de gagner beaucoup de temps. Je pense qu'effectivement, aller voir les coffres qu'il y a à l'arrière, sans nécessairement se rendre jusqu'au boss, ça peut être une décision très 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 sensée. Eh ben non, faut pas... Oh, tu vas où? Oui, non, il a activé le... Voilà, faut pas l'activer. Il était bien. D'habitude, hein, la mémoire musculaire toujours. Alors, Paradox fait exactement la même chose. On n'a pas la grosse clé, donc on va aller voir si elle serait pas dans ce coin-là. C'est logique, on a trouvé beaucoup de clés et donc puisqu'on est en MC Shuffle, il y a deux objets de plus que d'habitude et sachant qu'il y en a 5 de base, maintenant il y en a 7. Et c'est vraiment la progression, on savait qu'elle serait dans Pod finalement. Donc c'est pas idiot de vider entièrement le donjon, surtout que là, rendu là, Nephistos en 2 minutes va ouvrir 5 coffres actuellement. Ouais, on veut pas revenir ici là, c'est non. C'est... Là... Oh! Ton dieu! Hey, c'était pas le gros coffre! C'était pas le gros coffre, mais c'était pas loin. Waouh! French Vanilla. My god. Quel seed! Oh, là, ils doivent être soulagés là, de trouver ce marteau-là. Et de se dire, j'ai bien fait de pas m'en aller. Parce que le miroir est du coup une sorte de victime collatérale, en fait. Il y a peut-être pas de progression derrière le miroir. Il était juste placé là au pif, tu vois. Genre. Oui, puis là, ça l'ouvre presque autant d'endroits que le marteau lui-même. Il y a. Puis des endroits qui sont longs à vérifier aussi parfois, donc. Ah! Bah, marteau-miroir. Marteau-miroir, c'est pas mal. C'est KF45 dans le chemin qui s'ouvre. Il y a aussi la. Bah, il y a Kingstomb et Graveyard Ledge.
Oui, mais est-ce faisable et tout. Mais attends un petit peu. Est-ce que... Le livre. Le livre dans mon coffre. Ah, et Néphisto, ah oui, bah, il peut finir le boss, ok. Lui, le Gumball. Intéressant. Attends un petit peu. Là, tu parlais de Graveyard Ledge. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour se rendre là? Ben, on a le marteau. Ah oui, on a le marteau. Puis les... Ben oui, c'est vrai. J'avais oublié le marteau. Donc, parfait. On peut aller prendre le portail au nord de Kakariko. Puis, effectivement, se diriger en haut à droite. Donc, j'avais. Ah non, paradoxe! Tu as pas pris ta grosse clé. La grosse clé qui est dans le Harmless Hallway. Ah, c'est pas facile de router Pod. Surtout quand on est sans marteau. C'est bizarre de se rendre en Pod sans marteau, bizarrement. Enfin, paradoxalement, parce que normalement, on le trouve dedans. Enfin, oui, ben c'est ça. De temps. Mais comme tu l'as dit toi-même, paradoxe allemand. Il est tellement lu, je pensais qu'il était. Si je prêche une Deutsche, ja. Alors, on embrasse Julien Berlin, évidemment. Qui, malgré sa résidence en Allemagne, nous a dit de ne pas parler allemand. Donc, ah non? Je suis confusion. Non, mais il parle allemand, mais il veut pas parler allemand. Alors, la grosse clé, donc. Là, il s'en. Ah, il s'en va chercher le gros coffre, hein, bien entendu. Mais là, il y a beaucoup d'objets quand même dans ce donjon. Je sais pas si c'est. C'est pas idiot, hein, attention, hein, ce que fait Néphisto de faire le boss. C'est un gamble comme un autre. Ouais, ben on a trouvé trois objets. Très bien, il y en a un quatrième. Ben, je dis trois objets, disons, importants. Le miroir, le marteau, on en a assurément besoin. Le livre, peut-être. Alors pourquoi pas ce qu'il y a sur le boss? Mais là, avec le livre, on va pouvoir aller lire le piédestal et avec, on va voir qu'il y a quelque chose dessus. Alors, on va être content d'aller avoir battre le boss. Oh, et Paradox, lui, n'y va pas. Donc, s'il n'y a rien sur le boss, Paradox vient de sauver un bon 2 minutes. Ouais. Si... Et ça va retourner l'acide, en fait, puisque Néphisto savait de l'avance. Donc là, ça va peut-être aller dans l'autre sens. Coucou El Makiti, le gros chaton scorpion casqué, masqué... Elmazor, King, Roi Cuirasse. Je crois que c'est bon. Ça va prendre bientôt une commande pour son nom lui aussi, en plus de celle de Raywek. Oh mon dieu. Ce sera point d'exclamation Elma. Voilà. Il faudra la créer, mais ce sera ça la commande. Attention à pas mourir aussi, 3 cœurs. Ah, bah oui, c'est bien, tunique rouge, ça, pardon. Tunique rouge, puis il est trempé, donc. Allez, et là, ouais. Est-ce que c'est le casse du siècle ou est-ce que c'est une perte de 2 minutes pour Néphistos? Hey. C'est 20 rubis, c'est 20 rubis. Mais oh, Lololia, notre tracker, nous indique qu'il a pas fait de map check, donc il savait pas que c'était un pendentif, apparemment. Alors, je te comprends d'avoir terminé à ce moment-là. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'une fois qu'on est dans le donjon, puis là, on se demande est-ce que c'est un pendentif ou un cristal, ben tu vas pas ressortir pour vérifier. Mais il avait l'occasion, parce qu'il a utilisé son miroir une fois ou deux, mais c'est vrai que dans le feu de l'action, il n'avait peut-être pas noté qu'il avait la map de Pod qu'il a trouvé dans le Dark Cross. Et néanmoins, de toute façon, même s'il le savait, il aurait pu de toute façon dire c'est un gamble, c'est un choix. Ouh, Paradox, qui va aller voir. Où va-t-il? Ah, il a Seven Quid dans le Dark World, donc du coup, comme il a tué Agani, mais bien, il respawn sur la pyramide. Oui, on a le miroir. Bien entendu, ça prend le miroir, sinon on ne pourrait pas revenir au monde de la lumière. Ouais, ce serait casse-pied. Hein. Ah, désolé, tu as tué Aghanim et tu as fait Save Quit. La partie est terminée. Alors là, on a une complète divergence. Néphistos s'en va au village, donc prendre le portail probablement. Et Paradox, lui, avec le marteau, ben, s'en va faire Hera probablement. Et ouais. Voir l'est de la montagne par la suite. Je pense qu'il va rentrer. Je sais pas s'il va finir le donjon. Là. On sait pas. On n'a pas eu la carte. Mais oui, mais. Je sais pas s'il va rentrer dedans, surtout. Là, c'est un gamble. Oh là, Néphistos qui se fait martyriser par des par des CRS dans la forêt. Une chance qu'il avait fait un nécro. Ah, ça arrive à tous. Et la Ether Tablet, c'est vrai que c'est un check qui... Oui, c'est vrai que miroir, marteau et livre, c'était un peu le guide pour aller dans la montagne et la map de Ice. Interesting. Est-ce qu'il va être qui d'aller dans Ice? Est-ce que Ice va avoir la réponse encore une fois? Alors, Néphisto Skullwoods, est-ce qu'il va... Il peut jouer les pendants hein, maintenant qu'il est dedans.
peux aller vérifier Ted. Oui, et il y a un objet de plus aussi dans Skull Woods. En fait, il y en a beaucoup de plus étant donné qu'on est en Map Compass, mais il y en a. Il y en aura un de plus étant donné qu'on a Sahasrala qui va vouloir récupérer son objet familial. Là, je me souviens plus comment il l'appelle. Ses bijoux de famille. Ouais. Family Heirloom, donc je sais pas, c'est héritage familial. Héritage, oui, voilà. Parce que les bijoux de famille, c'est autre chose. J'espère que ça prend. Oh, le refil de vie pour Nephistos, très bon timer. Enfin, très bon timer, très bien timé, pardon. Et le Lelian, notre tracker, nous dit que il saurait pas non plus que c'est un pendentif. Skull non, Wood. Si, il le sait. Oh! Nice! Oui, alors ça, la flûte, que ce soit un pendentif ou non, ce donjon-là, on est très content de la trouver. Non seulement ça va accélérer beaucoup les déplacements, mais ça va nous mener à la zone de Meyer, qui a plein de coffres et qui a potentiellement un donjon cristal. Tout à fait, puis on a... Bah, on peut le finir, en fait, Meyer. Absolument. Il faut les mythes, mais... Enfin, il faut les gants jaunes, mais... Mais une fois qu'on aura les... Ouais, le débat me passe au-dessus de la tête. Hein. La deuxième paire de gants. Bah, en fait, voilà. est-ce que c'est des paires de gants ou c'est simplement un gant chacun? Les premiers gants, c'est un gant, puis les deuxièmes gants, bah, c'est l'autre gant, puis là, avec les deux... Je vais te dire qu'on a une palme et une botte. Alors moi, je pense qu'à la fin, tu vois, il a une palme, une botte, et il a un gant gris et un gant jaune, et voilà. Parce que de toute façon, le sprite, il n'y en a qu'un seul à chaque fois. Ouais, alors tu sais, la commande mode dont tu parlais tantôt dans le chat, faudra l'ajuster aussi pour donner des conseils de mode vestimentaire. Ouais, un jour je ferai un proc et quand vous taperez mode, il y aura écrit Karl Lagerfeld et puis voilà. Bon. C'est de main droite. Ah ben. Écoute, tu la mets à l'envers sur la main gauche. C'est ça, c'est pas des gants. Ils sont pas rigides, ces gants-là, on peut les retourner. Exactement. Et pour l'instant, rien dans le tour des reins. Ouh, Nephisto sera tué assez de magie. Ah, il a voulu être un peu plus haut. Ouais, ça va le faire, ça va. Puis, avec l'épée trempée et la tunique rouge, je crois pas que Motula va être un gros danger. Oups. Ouais, paradoxe, ça a pas trouvé son pixel pour dasher. La tunique rouge va pas trop l'aider quand même, malheureusement. Les pics faisant toujours un cœur de dégâts. Oui, tout à fait. Donc, faudra être prudent malgré tout. On va se tenir plus près, dis-je, de Motula que des pics. Ce qui ne va pas être le plus simple. On va s'étendre des spins et là, Motula qui reste dans son coin. Il ne coopère pas très bien jusqu'à présent. On va voir si Trolldorm va coopérer un peu plus. Eh oui, beaucoup plus. Alors, est-ce que c'est un cristal ou non ? Oui ! Ah, dommage, Nephistos. Et c'est un cristal du côté de Paradox. Le deuxième. Alors, je sais pas s'il est rouge ou non, il faudra regarder dans son menu, mais... Deuxième cristal pour Paradox. Ouais, on aurait... Techniquement, on peut aller voir le vendeur de bombes, mais on pouvait pas le voir avant d'aller dans Pod. Ça aurait été un bon moment pour le faire, mais on n'avait pas le marteau. Donc, le vendeur nous aurait indiqué quels étaient les cristaux rouges. Ah! Get that rock, son. Ça, c'est une des beautés du Enemizer. Quand on change les ennemis, ben, il n'y en a plus de rock sur la montagne. Alors, c'est un cristal normal. C'est pas un cristal rouge. Ah, tu l'as vu avec le menu? Ah, voilà. Mm-hmm. Ah, j'étais attentif. Je l'ai anticipé. No shame aujourd'hui dans Spiral Cave. Est-ce que Nephisto s'est reparti le battre et l'a battu ou je l'ai manqué? Je pense qu'il n'est... Est-ce qu'il a fait machine arrière? Je pense que oui. J'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose, mais... Non, il l'a pas battu. Il a décidé qu'il allait y retourner plus tard. Il l'a pas battu, ok. Ben, c'est pas nécessairement une perte de temps. Hein. C'est sûr que c'est un détour de revenir, sauf que si on est pour mourir trois fois, ben on tourne. C'est préférable de revenir plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y avait sur la... C'était un flacon. Ah, bon. Et ah, il n'y a plus de magie, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Les petits refils, aller les chercher un par un, puis allumer les lampes, avec les torches avec la lanterne, c'est pas très agréable. Et c'est un pendentif, effectivement. Si, bon, alors là, on a beaucoup d'objets. Paradox Cave, Gravier Ledge, King's Tomb.
Donc Paradox est dans sa grotte. Exactement. Et non, y a pas de check. Il a pas check le pad, exact. Oh. Terrible. Quart de cœur. Alors, débombe encore d'un Paradox. Oh là là là. On n'a pas de progression pour l'instant. Non. La montagne qui est vide. Il n'y avait rien. C'est rare, mais ça existe. Du moins, elle est vide pour ce qu'on a pu en voir. Il reste encore des choses dans le monde des ténèbres. Tout à fait. Bon, ça va par contre nécessiter les jolies moufles. Ou... Non, les moufles, c'est ça. Ouh, c'est gentil, ça. Ouais, Nephisto aurait peut-être aimé ça, avoir cette demi-magie avant d'aller ouais, faire Motilum. Certaine ironie. Je crois qu'on va avoir un petit type cave du côté de Paradox. Nephisto, je pense qu'il va redescendre du côté du village. Une petite ou une grosse hype cave? Alors, on a eu une hype cave tantôt avec c'était Minimal Dorm, je crois. Ouais, Minimal Dorm qui avait Bombos, Somaria. Et je sais plus quoi. Ah oui, Somaria, c'est ça. Bombos, Arc, Somaria, c'était quand même très très hype. Oh, ça c'est hype, c'est très hype. C'est bon, ça... c'est bon. S'en fiche, tu peux partir, tu peux s'en ouvrir le reste. Ah, s'il y a un autre bouclier là. Ouais, c'est du. C'est. Filet bouteille vide, donc c'est voilà, c'est acceptable sur 10. C'est le petit attrapeur de d'insectes. S'il y avait eu un autre bouclier puis qu'on a eu notre bouclier rouge là, j'aurais été heureux, mais non, pas de rouge. Bon, alors Paradox va mettre à profit son lit, va aller voir la deuxième tablette. Pour l'instant, ça n'a pas payé hein, le miroir ou le livre. Non, effectivement. La demi-magie, peut-être. Sans plus. Oh, ça peut être intéressant. Ah bon. Pas du tout. Pas du tout. On l'a déjà fait. Ah, il va faire des airs. C'est pas idiot du tout. Ah bah oui, on a tout ce qu'il faut pour le compléter. Mais on ne sait pas. On n'a pas l'information, encore. Mais c'est pas idiot. Je me suis demandé s'il allait faire swamp sans le grappin. Est-ce qu'on a eu un map check depuis qu'on a trouvé la carte de Ice? Non. À mon grand âme. Ce qui m'étonne, parce que moi je sais que j'aime bien avoir tout de suite l'information quand j'occupe une carte. Oui, c'est pas très long. Ça permet vraiment de mieux router un petit peu ta scie, de voir ce que tu vas faire. Après... moi je gagne pas mes matchs, donc je peux pas non plus... voilà. Certaines logiques à apprécier. Parlant de gagner ces matchs, rappelons qu'on a deux joueurs très bons ici, devant nous. Je vous invite à les suivre. Vous avez les liens vers leur chaîne Twitch ici, Paradox64 et Nephistos. Très bons joueurs qui offrent des très bons spectacles. Allez leur dire un petit coucou, leur faire un petit follow. Ils vont être très heureux. Et vous allez l'être aussi, j'en suis convaincu. Ah, tu vois, c'est pour ça que... Ouais, c'est pour ça que j'ai pas eu le match, je perds du temps à regarder la map. Ah, ah bah c'est bon, get good. Get good et fais tous les donjons sans faire de map check. Exactement. Alors on a deux coffres qui s'en viennent. Ouais. Il n'y a plus que des objets dans le désert. On a trouvé la petite clé et la grosse clé. Oh. Alors, on a la collection. La collection 2020 des boomerangs d'Hyrule est complète. Ouais, elle est à la mode. Alors, on a assurément le meilleur boomerang. À vous de voir lequel c'est. Voilà, c'est bon. Ça. Ah, Bill, c'est malin comme ça d'éviter le débat. Ah, le menuing Nephistos. Ah. On connaît, il est pas très beau ce menu, hein, je dois l'avouer. Et Hera. Ah, c'est intéressant mais, ça. Oui, mais on l'a vu par contre. On sait ouais, que c'est mais un cristal. Mais lui, il ne sait pas. Il aura la confirmation. Par contre, il a qu'un cœur. Il me fait un petit peu peur Nephistos. Pas se faire voir avec les pics dans la salle du bas. Ouais, il y a quelques cœurs dans le sous-sol ici qu'on va pouvoir ramasser bientôt s'il survit jusque-là, et j'en ai l'impression. Mais on n'a pas encore vu de Stephen Price. Ce qui m'étonne toujours un petit peu. Ah, ouais. Ah, bon. Bah, ouais, bon. C'est pas bien. Mal. C'est pas utile pour l'instant, mais c'est pas mal.
Ça pourrait sauver une vie un jour. Ah, complètement. Mais tu vois, typiquement, s'il l'avait regardé... S'il l'avait regardé avant dans... En sortant de Skull Woods, il aurait pu récupérer sa magie. Tout va bien ? Oui, oui, tout va bien. C'est... Ok, ok. Il fait des siennes. Très bien, très bien. Alors, on va voir ici. J'ai pas vu ce qu'il y a dans le gros coffre, pardon. Rubis rouge, je crois. Ok. Alors là, présentement, Néphistos n'a pas encore été faire un tour dans le désert. Il sait pas qu'il y a rien sur Agina. Il sait pas qu'il y a la baguette de glace non plus. Donc, si on trouve les moufles, il y a éventuellement le rocher de la tortue, Turtle Rock, qui pourrait être intéressant. Et Paradox sait qu'il peut le compléter. Mais Néphistos, si on trouve les moufles avant d'aller dans le désert, ben, ça pourrait arriver qu'il ait envie d'aller sur la montagne avant de faire le désert. Là, ben, ça va être un peu plus embêtant. Et oh, oh le dernier pendentif. Un pendentif vanilla. Oui, alors pendentif bleu sur désert, pendentif vert sur Skullwood, pendentif rouge sur Pod. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur la pyramide? Le grappin. J'ai dit la pyramide, le ped. Oui, il pourrait sur avoir le grappin. Il pourrait avoir des médaillons. Ouais. Ouais, ça c'est toujours entré un grand classique. Attends, c'est quoi ped, Skullwood? Bah, il pourrait y avoir les mythes. Oh! Oh, là, tu as toute mon attention. Oui. Il ouais, y, oui. y a encore pas mal de possibilités. Les moufs, j'aime bien ça parce que c'est ah, bah, sûr non, que paradoxe. C'est... Paradoxe. Terrible. Les moufles sur le ped, excuse-moi, ça m'obsède. Si c'était ça, je trouve que ça serait bien parce que c'est un peu troll d'avoir une scie de pédestal, mais en même temps, avoir les moufles sur le ped, ça bloque tellement de choses qu'on n'aura pas le choix de s'en rendre compte assez rapidement. Mmh, tout à fait. Et là, Paradox qui va aller faire un tour probablement dans Skull Woods et peut-être faire un check de pédestal en même temps. Là, il y a déjà un pendentif de ramasser, un donjon pendentif de presque compléter, puis le troisième, il est juste à côté. Et Néphistos qui a récupéré donc le cristal de Tiefstown, qui est un cristal normal également. Voilà, regardez, hop. On l'a vu à droite dans son menu. Donc le cristal rouge peut être sur Mayer ou Ice. On a l'info sur le reste. Et Paradox, et non. Au 7. Oui, oui, au 7, on ne l'entend pas, mais on l'entend dans notre cœur. Exactement. Dis donc, peux-tu me rappeler où était la flûte? J'ai un blanc soudainement. Dans Skullwoods. Ah, merci. Alors, Paradox, c'est pas agréable. Oui. Ah, ben voilà. Le mec qui a fait un Néphistos. Ah, oh, attends un petit peu. C'est Paradox qui avait trouvé la carte de Ice Palace chez Agina, oui, je pense. Tout à fait. Ok, c'est vrai, il n'y a pas la carte de Ice Néphistos. On devra patienter encore un peu. Et je pense que ouais, ça dit game Stumpy F45 et descente dans la cave et peut-être, s'il route bien, aller vérifier Bombo Stavlet et peut-être aller dans Swamp après. Ça c'est pas encore sûr. Ouais, le grappin pourrait être dans Swamp. Tout à fait logique, tout à fait possible. Oh, pas tout à fait agréable. Non, pas agréable, mais bon. Plus agréable qu'un marteau dans Swamp. Il est bien long, Ziggy. Alors, je vais pas compter, mais bon. On devait être pas loin du 30, hein. Ouais, je pense qu'on était à 27-28 facilement. Le pire, c'est de devoir le recommencer quand même. Ça m'arrive de temps en temps, mais je suis en multi-world en général quand ça arrive. Et du coup, t'es en train de creuser, tu reçois tes objets de multijoueur de tes mates et le compteur il descend. Tu fais, mais non, mais ça compte pas là, c'est triche. Vous avez reçu une flèche unique, vous avez reçu un rubis vert, vous avez reçu. Non! Non, parce que dès que je fais le digging game, genre, il y a 5 personnes qui sont dans Paradox qui ouvrent tous les coffres et ils sont tous pour moi, tu vois. Tous mes cartes de cœur, les trucs que je m'en fiche, genre les bombes, les flèches, voilà. Ah là là. Sinon, c'est drôle le multijoueur quand même. Ah oui. Après, je vais plus me faire inviter, donc je
veux pas non plus passer dans les mauvaises grâces. Je sais pas s'il y a encore des nouveaux dans le chat, il y en avait tout à l'heure, alors on peut peut-être en parler justement des multi-worlds. C'est un mode de jeu assez intéressant du randomizer, qui est un peu comme une partie de randomizer qu'on voit là, mais c'est deux seeds différentes jouées en même temps par deux joueurs différents, et les objets de chacun se trouvent dans la seed soit de vous ou de l'autre. Donc ça fait des échanges assez intéressants, on doit être évidemment connecté à Internet pour que ça fonctionne. Alors ça fait, on peut jouer à deux ou à 250 si on veut. À 12. À 12. On l'a fait récemment à 12, c'était un peu long. Oui, j'ai vu que ça semblait avoir terminé un peu tard, mais c'est pas moins agréable pour autant, c'est juste... Non. Ça fait durer le plaisir. Ça renforce des liens amicaux avec les gens, c'est merveilleux. Ah non, la map de Ice n'était pas ici, je sais plus où elle était. Elle était pas sur une tablette. Elle était pas sur Ether tablette. Ah oui, ça se peut. C'est très possible, effectivement. C'est vrai qu'il y avait deux maps, du coup, sur les tablettes, puis il y avait la map d'Eastern dans mon boss. Alors, Nephistos va compléter le désert, va ramasser sa baguette de glace. Alors, je présume qu'il va compléter le désert. Alors, il a regardé le village? Oui, je crois que oui. Ok. C'est quand même à peu près important. On est sûr que c'est un objet requis, l'Ice Rod. Entre l'enquêtant, un cristal rouge. Oui, requis à un moment très précisément. On va probablement lancer exactement deux coups d'Ice Rod dans l'acide au complet. Oui, effectivement. Si on joue parfaitement, il n'y a que deux coups d'Ice Rod à donner. C'est un peu dommage, mais bon. Et puisqu'on a des vérifications d'un côté et de l'autre que nous avons déjà vues, je peux peut-être en profiter pour vous inviter à suivre mon co-commentateur Grink, qui, comme vous voyez, fait un excellent travail et joue des parties. S'il les gagne, ben là, ça va dépendre s'il regarde ses cartes ou non. S'il fait des map checks fréquents ou non. Et vous avez Lololia au tracking aussi, qui fait un excellent travail également, que vous pouvez suivre sur sa chaîne Twitch, s'il vous plaît. Il l'apprécierait beaucoup. Oui, elle y suit évidemment Juef qui, comme moi, peut pousser la chansonnette de temps en temps. Oui, est-ce qu'on devrait, je ne sais pas, mais on le fait quand même. Alors, c'est un peu ça, voilà. Moi, c'est arrivé par défaut récemment, donc au bout de 2h10 de site, mon cerveau a abandonné toute forme de respect. Toute forme d'empathie pour les oreilles de mes, de mes viewers. Terrible. Ah ben c'est pour ça qu'on suit plein de monde sur Twitch. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui ne nous plaît pas, ben on change. Et au contraire, si on a envie d'entendre quelqu'un chanter, ben tu es le candidat idéal. Je vous remets la chanson de Juvef, évidemment, si vous la cherchez. On n'a pas encore mis les pieds dans Ice Palace. Dans Ice Palace, attendez un petit peu. Ah, au moins, elle est là. Et on se rendra compte aussi que tu as une bien plus belle voix que la mienne. Ça c'est assez évident par contre. Ça au chant, le chant c'est terrible. Je crois que c'est très 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 discutable. D'autant plus que le rap n'est peut-être pas le type de chanson que je préfère chanter. Mais moi c'est plutôt, on est sur de l'improvisation de paroles. Ah bah c'est excellent ça. On devrait faire une collaboration à T4 sur une chanson peut-être... une chanson française. En général, je suis sur l'improvisation. Hein. Si je commence à écrire, ça devient terrible, mais pourquoi pas. Alors, Paradox qui va récupérer bientôt sa flûte. Ah, il va redescendre Skull Woods. Ok, intéressant. Il va gamble tout de suite le Green Pendant et redescendre en comptant les objets, je pense. Oui, j'aime bien ça. Puis on pourra aussi peut-être avoir l'occasion de vérifier le piédestal. Exact. Et là, par contre, c'est quelque chose que Nephistos n'a pas fait. Il n'a pas fini le donjon, malheureusement. Donc ça a peut-être joué en sa faveur. Ouais, et... Oh! Get World Mastered. Ouais, au moins, avec la baguette, c'est un peu moins souffrant. Ouais, c'est pas très punitif ce qui vient de se passer. Mais c'est jamais très agréable, tu vois. De te faire pousser par le petit squelette dans la main, pas cool. Et Paradox a réussi à tuer d'ailleurs le Worldmaster au vol. Ouh, bah c'est propre, Nephistos qui fera du coup une double... Ah, si, c'est bon. Très beau, très très beau combat. En deux temps. Pas trois mouvements, mais en deux temps.
J'ai pas compté les mouvements, il y en a quand même beaucoup, hein. Je pense qu'il y en a eu pas mal, mais il y en a eu plus que 3, c'est quasiment sûr. Où vas-tu après Néphistos? Bon, avec la flûte, c'est, on peut se promener partout, c'est sûr, mais la montagne, il n'y a rien de plus que tout à l'heure. Allez, les moufles, les moufles! Oh! 300 balles. 300 rubis. Ah! 300 meilleure piastres, chance la prochaine fois. Oui, 300 pièces. Mais c'est pas fini, par exemple. Cette zone-là a encore un secret potentiellement troll à nous révéler, qui est le pendentif vert. Mais c'est possible qu'il soit dessus. Hein. Oui, tout à fait. Parce que Néphistos veut faire la tour des rats, donc on l'a déjà vu, on sait qu'il n'y a rien. Parce qu'il va pas rester non plus à un milliard d'endroits. Hein. Non, effectivement. Il va rester swamp. Oui, je crois que c'est tout. Effectivement tout. J'ai beau me creuser la tête. Ouh, Néphistos, c'est un peu bas, ça, non? Ah, c'est bien, oh, c'est correct. C'est pas loin, quand même, mais ok. Si ça marche, moi, ça me va très bien. Ouh, paradoxe, est-ce que tu auras cette magie? Le doute. Ah, c'est vrai, il a pas doute... trouvé sa demi-magie, lui, encore, qui était dans King's Tomb? Tout à fait. Et voilà la carte d'Ice Palace, donc on vient de la trouver. C'était bien ça. Ah! Deux fois le World Master pour Paradox. Celle-là est un peu plus embêtant parce que c'est plus long de retourner là, mais aussi il avait commencé à utiliser sa magie. Au moins, il avait eu le réflexe d'utiliser sa lanterne. Ouais, mais tu vois, paradoxalement, en fait, il est revenu avec plus de magie qu'il en est qu'à l'aller, donc pas si mal. Ouais, donc là, on perd plus de temps avec ça, la baguette de feu, et voilà, c'est réglé. Ouais, c'est bien ce que j'avais vu. La grosse clé est dans le bas de la tour des rats, donc il y a une petite pause. Oh, waouh, le drop de magie complet. Ouais, il est... Je vais pas dire chanceux, mais opportun. Oui, très 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 opportun. Alors, ça va accélérer un petit peu le combat ici, même s'il est trempé. On a vu que c'est fort, mais ça peut être embêtant parfois. Oh, il est troll. Descends, mais reste pas... Voilà. Pas rester là-haut comme ça, là. Terrible. Oh, il casse-pied aujourd'hui, hein. Ah, voilà. Ok, bien joué. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oh, la grosse clé. Oh god. Oh god. Bon. Et le pendentif vert. Mon dieu, mais la grosse clé, c'est... Au moins, il va pouvoir la vérifier en sortant. Oui, parce qu'il a pas fait, il a pas fait l'avant, donc ça va, mais... Parce qu'en réalité, maintenant que j'y pense... Excepté les médaillons. En les prenant pas en compte. C'est Gomod, Grappin, Mitz. Oui. C'est pas beau. On aimerait trouver les Silvers, mais sinon on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Le reste, ça serait de la safety. Oui, bon là quand même en temper de... Ouais, non, les deux joueurs sont très à l'aise de faire un Ganon à la temper. Là, Raid Maid, ça va. Ouais, demi-magie éventuellement, du moins pour Néphistos. De manière amusante, Paradox ne va pas faire le bon jump, il va faire le chemin vanilla pour aller dans Skullwood. Ah bah je le comprends, j'aime jamais faire les bomb jumps, peut-être. Allez, est-ce que... Non, pas du tout. Ah, il reste... C'est sûr qu'il est dans Ice. Hein. Ouais, il reste le pendentif vert. C'est vrai. Alors, ça se fait que les cibles en spatula... Non. Non, il est insensible aux flèches, malheureusement. Ouais, on peut combattre Motula avec la baguette de feu, avec l'épée, avec le marteau et avec les abeilles. Est-ce que quelqu'un peut me clip cette chute terrible de Néphistos qui s'est fait éjecter de manière absolument incroyable de par le bumper? J'ai jamais vu quelqu'un se faire bump aussi loin de sa vie. Oh là là! Il va se tenir un peu à l'écart pour la suite. Ouais. Ok, ça va. Pour ça, une certaine prudence, tu vois, genre, tout de suite. Ah, ouais, et la flûte pour Paradox. Donc, préparez à l'avance vos sets, on va avoir un autre chant du canard bientôt. Cette fois-ci, avec le son. Oui. Il sera d'autant plus glorieux. Alors, après avoir activé sa flûte, est-ce que Paradox va immédiatement aller vérifier son pendentif vert ou il va nous faire patienter un petit peu? Anguille, oui. Ah non, on va aller faire autre chose avant. Avant même d'activer la flûte. Ça me surprend. Ah, c'est pas forcément idiot parce que c'est très isolé de voir
Bah, Gravierlet justement. Et oh, il faut faire un slash de Diffisto, t'as déjà fait un spin. Allez, allez. Non, 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 oui. Ah, mais il va peut-être tout simplement passer. Bon, c'est bon. Non. Oh, ok, on l'a eu. Paradox va peut-être revenir au village tout simplement en faisant ça, oui, en oui, faisant King's Tomb. Puis, c'est parce que c'est très isolé le cimetière. Et le... Enfin, la zone du cimetière est absolument isolée. Il a pas de raison d'y revenir après, donc justement, c'est pas idiot de le faire maintenant. Il a récupéré l'information tout à l'heure, je crois, sur Bumper Ledge. Je crois que si. Alors, on a 4 cristaux du côté de Nephistos et on en a 3 du côté de Paradox. Non, on en a 3 de chaque côté. Je ne sais plus. mes yeux me confondent. Alors, en fait, on avait besoin d'aller dans le pod, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup de choses et miroir, marteau, livre. Il y avait la flûte dans Skullwoods qui était l'autre pendant. Mais désert, il n'y avait vraiment pas besoin d'y aller. À part pour l'Ice Rod, mais ça compte pas vraiment. Effectivement. Puis si on trouve les moufles prochainement, ben ça implique qu'on n'aura pas eu besoin du livre d'aucune façon parce qu'il n'y avait rien sur le pad, rien sur les tablettes et rien dans le désert comme tu l'as mentionné. Ouais, tout à fait. Oh, alors il y a Wergon qui fait le clip. Je vais regarder ça tout de suite parce que je l'ai manqué malheureusement. Ah, il s'est fait éjecter. Je regardais ça également. Aïe. Voilà, c'est... Ouf, merci beaucoup, Wergon, mais c'est un... C'est un service de Roger Federer que je viens de voir, là. Hein. C'est... Et c'est le cas de dire, il est parti comme une balle. Alors... Digging, mais on va pouvoir compter aussi. Oui. Je pense que c'est 30. C'est un 30. C'est un 30, mesdames et messieurs. J'ai bien compté, c'est 30. Désolé pour ce blanc à l'antenne, mais il me semblait bien que c'était très long. Et voilà, il faut savoir que c'est aléatoire. C'est entre 1 et 30 coups de pelle. Et voilà, c'était 30 aujourd'hui. Ouais, donc la seed qui aurait été une agacide, qui aurait eu été un 30 coups de pelle seed, fallait bien compenser un peu pour l'absence de piédestal. Ah, ce qui est terrible, c'est que c'est une phase Ganon, on ne saura pas le... on ne fera pas le jeu de la grosse clé. Oh. Terrible. Ouh, est-ce qu'on n'irait pas du côté de Swamp pour Nephistos? Je crois que si, hein. Peut-être la cave, je crois pas qu'il l'a faite, mais c'est plus... Attention, il y avait rien. Très bonne question, je pense qu'il l'a faite. Peut-être qu'il va aller vérifier la tablette de bonbons, parce que je crois qu'il ne l'avait pas faite. Est-ce qu'il va aller parler au vendeur de bombes? Non. Voilà. Je savais bien qu'il l'avait pas faite tout à l'heure. Il était parti de Skullwoods et ainsi de suite. Ok, ouais, donc ça va être bonbons, Swamp, et je crois que Paradox va se diriger vers Swamp également, donc on va avoir encore une fois les deux runners très proches. Avec peu de check d'écart finalement. Bon, alors que crois-tu qu'on va trouver dans Swamp? Est-ce qu'on trouve le grappin? Les mythes est-ce ou le grappin? Ouais. Je pense les mythes. Avec le grappin dans Ice. Comme ça, c'est moche, parce que c'est un double dip. Ouais, et là, ensuite, on pourra pas faire de donjon vraiment en go mode, parce qu'on a aucune idée des médaillons dont on a besoin. Tout à fait. Et les deux qui vont avoir à peu près 30 secondes d'écart environ dans l'entrée dans Swamp, donc rien n'est fait. Ouais, ils ont fait à peu près les mêmes vérifications. Il y a Nephistos qui a complété Pod. Il y a Paradox qui a complété Swamp. Que dis-je? Skullwoods. Mais il n'a pas vérifié encore son médaillon vert. Est-ce que, il n'y a même pas... Oui, c'est vrai! Est-ce qu'il a activé sa flûte? Non, même pas. Non, on a eu l'autre jeu sur lui depuis tout à l'heure. Non, il a pas fait ni la flûte ni le plan anti-vert. Ah. Bah, avec la flûte, je comprends d'attendre de l'activer pour vérifier le plan anti-vert, mais ça me chatouillerait beaucoup de l'avoir en mes mains sans savoir qu'est-ce que ça sera là nous réserve. Et oui, malheureusement, le piédestal est mort. Il y a 300 balles. 300 piastres dessus.
Ah, ces échanges culturels, c'est incroyable. Oui, on en apprend sur les Français en apprennent sur nous. Et il y a d'autres nationalités aussi, je crois. Il y en a qui résident. Il y a des Belges dans le chat. Hein. Il y a des Belges, il y en a qui résident au Japon, il y en a qui résident en Allemagne. Guaylabel, je ne sais plus à quel endroit il réside, mais il parle espagnol couramment. Il est hispanophone. Il est hispanophone, voilà. Donc, je ne sais pas où il habite exactement, je ne suis pas à ce point-là de notre relation. Et c'est en logique, hein. C'est en logique. Oui, alors la poudre qui pourrait nous amener, ben, évidemment qui va nous permettre de vérifier la chauve-souris. Ça va être compliqué de Neverdown sans clé paradoxe, ouais. Il a voulu faire un petit glitch où on skip le fait de faire ce qu'il fait, mais ça implique d'avoir une clé malheureusement. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé le voir ce petit Diver Down, je suis sûr qu'il l'aurait exécuté de manière parfaite. Surtout qu'ils ont les bombes et la Somaria, donc on aurait peut-être vu en plus deux setups différents. Ouais, on n'a pas vu le Herapot non plus, donc faudra surprendre et voir un Icebreaker dans Ice Palace. Ça va bien pour l'instant, vraiment. Je trouve que nos deux joueurs ont une très bonne exécution, mais celle de Paradox est présentement assez impressionnante. Chaque fois que je regarde son écran, il y a presque toujours tous ses cœurs. Ouais, donc, tout à fait. Allez, peut-être. Parce que si la solution n'est pas dans Swarm, du coup, elle est sur le pentif vert ou la poudre. Je crois que tu as raison. On n'a pas vérifié Spike Cave. C'est vrai. C'est vrai que c'est en logique. Ouais, non, oui, il n'y a que ça. Et du coup, ce serait dommage pour un petit peu de niveau de course, parce que si c'est pas anti-vert, Nephistos, il va falloir qu'il retourne dans Skull Woods. Ça va être un petit peu long. On va voir la suite. Alors, on y va. On vide le donjon à la façon vanille d'un nouveau joueur. C'est casse-pied quand même, hein. Quand on n'a pas les objets pour, quand on n'a pas le grappin et tout. C'est qui est long ce moment. Ah, c'est le prix à payer pour avoir eu les bottes au début de la seed. Ouais, exactement. Spike Cave est en logique dès qu'on a accès bien sûr au portail juste à côté de Spike Cave. On n'a pas d'objet d'invincibilité encore. Ah oui, il faut la. C'est la bague. Le flacon ne compte pas. La map. Oh, map de Maillard. Il ressort Paradox, il va aller vérifier le gros coffre évidemment. Ouais, donc, on n'a pas la canne de Samaria, de Birna, pardon, on n'a pas la cape. Donc, effectivement, je crois que c'est pas en logique. Par contre, à 12, on n'a pas de remplir les flacons puis d'y aller quand même. Mais oui, ça n'empêche pas de sortir la logique en fait. Il peut quand même avoir quelque chose d'intéressant. Mais allez, est-ce que c'est là? Voilà. La Spike Cave en logique. Voilà le chat. Voilà. Vous savez pas qu'est-ce qu'on fait. C'est le Competitor's Curse en démonstration. Paradox est parti de Swamp parce qu'on n'a pas le grappin, on peut pas continuer. Là, il va l'activer sa plute, je présume. Oui. Alors, est-ce qu'ensuite, il va aller voir le pendentif vert? Est-ce qu'il va aller voir Spike Cave? Est-ce qu'il va aller tenter de compléter Pod? Ah, il a pas fini Pod. Ah, bon, je pense qu'il va prioriser poudre, flûte, pentivert. Oui, puis peut-être. Je pense pas qu'il priorise Pod. Il sait qu'il y a un sur le piédestal, hein, donc. Mais tant qu'à aller porter le pendentif vert, par exemple, il va être proche de Pod. Ça pourrait être vaguement tentant d'y aller aussi. Pas faux. Allez, Batman, peut-être la solution. Si c'est le grappin, c'est moche, hein. Parce que ça veut dire que la poudre est dans Swamp pour récupérer le grappin, c'est. Un double dip. Le bas de grappin. Allez. Oh ah, les moufles. Les mythes, les gants niveau 2. Alors, Krakoukas42, lorsqu'on dit vanille, ça veut dire que c'est un objet qu'on trouve à l'endroit
qui était dans le jeu original. Donc, par exemple, normalement, c'est la chauve-souris qui nous donne la demi-magie. Si elle nous avait donné la demi-magie ici aujourd'hui, on aurait dit que c'était un objet vanille. Si on trouve si on avait trouvé le grappin dans le gros coffre de... Oups, on fait le salut au canard. Voilà. Alors, si on avait trouvé le grappin dans le gros coffre de Swamp Palace, c'est un endroit vanille aussi, c'est là qu'il se trouve dans le jeu original. Lorsqu'on parle en logique, veux-tu y aller, Grink? Voilà. Ouais, non, tu as coupé un petit peu, mais je t'en prie. Je voulais dire voilà, tu as... Lorsqu'on parle d'un objet en logique, c'est plutôt un objet que le randomizer a prévu qu'on pouvait aller chercher légalement, disons. par exemple, il y a des choses que le randomizer ne s'attend pas à ce qu'on fasse, comme des bomb jumps. Si on place des bombes, des fois, ça, de façon adéquate, ça nous permet de passer au-dessus de trous de façon qui nous permet de sauver du temps, entre autres, ou d'aller à des endroits qu'on ne pourrait pas aller normalement. Nos joueurs savent souvent le faire, mais le randomizer ne s'attend pas à ça, parce que c'est pour les nouveaux joueurs, entre autres, ça serait un peu difficile. Alors là, on a trouvé la cape dans le Mire Shed. Tout à fait. Et on a une première visite à Ice Palace. Oui, et en même temps, on va aller dans Mayer du côté de Paradox, puisqu'il a vu que c'était bon boss. Oh! Mais oui, alors la logique, c'est aussi, en complément de ce que tu as dit, c'est aussi une manière pour le jeu de mettre les objets au pif sans bloquer le joueur. C'est-à-dire que on peut casser la logique en faisant typiquement du fake flipper, comme tu l'as dit, et les silvers. C'est mais bien. La logique, elle a été surtout mise en place typiquement pour éviter que le boss du désert... Ouais, non, attends, j'essaie de trouver un bon exemple. Tu pourrais y aller avec le boss de Turtle Rock. Bah, que les bots soient dans Kingstone, par exemple. Voilà. Ouais, ou que la baguette de glace peut pas être sur le boss sur Trinex. C'est aussi cet aspect-là, la logique. Exact. De laisser les joueurs bloqués et face à une seed qui n'est pas finissable. Et il y a différents niveaux de logique aussi, de jeu. Là, on joue Je crois qu'il est... Il a pas fait de switch. Oh. Bon. Enfin, il l'a très bien fait, par contre. Alors, ça va allonger un petit peu sa visite. Mais oui, effectivement, très bien fait son icebreaker. J'aimerais le faire aussi efficacement. Alors, pour ajouter, il y a plusieurs niveaux de logique au jeu, au randomizer possible. Alors là, on est en mode... le randomizer ne s'attend à ce qu'on fasse aucun glitch. Comme là, ce qu'a fait Nephistos pour aller du côté droit de Ice Palace, le jeu ne s'attend pas à ça. Mais il y a certains modes, comme par exemple le mode no logic ou overworld glitch, qui nous permettent de faire toutes sortes de choses incroyables que personnellement je ne comprends pas toujours. Passer d'un donjon à un autre comme si on se téléportait. Et là, la logique est ajustée en conséquence pour qu'on puisse finir le jeu encore une fois. Mais c'est pas quelque chose que je connais, alors je vais laisser quelqu'un dans le chat qui se connaît peut-être. Ça implique simplement plus de glitch. Le jeu s'attend à ce que vous sachiez faire des choses et donc se permet de placer des objets de manière un peu bizarre. Oui, plus de glitch et on pourrait dire des glitch plus sérieux. Plus, oui. plus qui détruisent le jeu davantage. Ouais, tout à fait. Voilà les deux qui sont du coup dans deux donjons différents avec plus d'objets du côté Nephistos. Non mais il avait vite le switch, hein, effectivement. J'étais médisant, il l'a fait très rapidement donc je l'ai pas vu. Et là on est à la recherche du grappin pour le Gomad. Donc à voir où est la progression. Oui, c'est un peu c'est vrai que ça peut être un peu bizarre d'aller dans Ice finalement parce que le grappin a peu de chance d'y être de par justement la logique du jeu, on en parlait. Ce qui fait que je comprends un petit peu plus le choix de Paradox. Surtout qu'on est en phase Ganon, hein, donc Turtle Rock, on s'en fiche de le laisser en dernier. On aurait pu justement prioriser en disant, je trouve mon grappin dans Turtle Rock, je peux faire Mayer et Ice en Go Mode. T'as un choix. Oh! Ça, c'est intéressant par contre. Nephistos a maintenant beaucoup plus de chances de pouvoir compléter Turtle Rock, parce qu'on sait pas encore c'est quoi le médaillon de Turtle Rock. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Oh, la fée qui va être très opportune pour Néphistos et pour Paradox. Qui est encore plein cœur. Oui, comme d'habitude. Où vas-tu, Néphistos? C'est bon, tu retournes au boss. Et il récupère la magie. Petite clé, Mayer pour l'instant qui ne paye pas, Ice non plus. Et on. Il reste que le boss. Oui, on sait toujours pas quel est le deuxième cristal rouge. Non, ben c'est l'un des deux. Ouais, alors, il y a un des deux qui pourra faire la fée et la pyramide aussi. Oh là, cette grosse clé qui est mal placée pour le Paradox, c'est très moche. C'est possiblement le pire endroit hein, pour l'avoir, je pense. Alors, est-ce que le gros coffre de Mayer va donner la solution? Eh non. Ah. Alors, il reste... Ça va être facile, je pense, pour Néphistos aussi. Là, l'équipement pour. Ah, dommage. Il a loupé le spin. Ouais, c'est pas toujours évident d'avoir exactement le bon timing pour envoyer... pour envoyer toutes ces boules-là dans le coin, mais... Clairement pas. C'est pour ça qu'on voit les joueurs très avancés qui le réussissent de façon presque constante, mais pour les comme je n'oserais pas dire les amateurs comme nous, mais donc pour grimper moi, pour grimper moi, c'est plus difficile un peu. Ah, la petite clé. Alors j'ai. Ah. Bon, de toute façon. Le grappin n'était pas là, je me posais des questions sur la logique du jeu, mais on s'en fiche. Le cristal pour Néphistos, est-ce que c'est rouge? Il va falloir ouvrir le menu rapidement pour le voir. Je pense qu'il va l'ouvrir là. Et oui, c'est non. Là! Ah! Bah, c'est... Pardon? Le cristal rouge est dans, sur Ice. Bah, il en a qu'un seul, l'autre. Ah, oh, c'est vrai, le deuxième c'est Totorak. Ah oui, je pensais qu'ils avaient l'autre déjà. Ok. Non. Excuse-moi. Alors. Bon, alors peut-être que la solution était dans Ice, on va le savoir dans très longtemps. Ouais, on va le voir après Mayer et Turtle Rock, donc ça va être assez long. Elle est serrée cette seed, hein. On sait que c'est des seeds un petit peu plus linéaires, donc où il y a un petit peu moins de tension sur les checks des uns des autres. C'est tout à fait intéressant à jouer. Tout à fait, Géo. Absolument aucune idée de qui pourrait gagner cette partie-là présentement. Non, moi non plus. Bah oui, en fait, j'en ai une très bonne idée. Ça va être soit Paradox, soit Néphistos. Oui, ce ne sera pas nous. Non, non. Et Vitrius qui coopérait pas très bien, mais voilà, c'est terminé. Il nous offre un quart de cœur. Bon, alors, ça sent le rocher de la tortue, hein? Ah oui, ça sent très bon. Et merci Steyman qui. Je vous invite à lire son texte ou son gros commentaire. Je ne vais pas prendre le temps de lire à l'oral, mais c'est un bon complément de ce qu'on a pu dire à l'oral rapidement pendant ce commentaire sur la logique du jeu et les modes. Oui, on n'a pas parlé beaucoup des modes, mais il y en a beaucoup de modes. On a un randomizer. Ouais, on n'a pas trop le temps non plus d'en parler comme ça. Il y en a vraiment tellement que. Ouais, ben, tout ce qui a pu être randomisé dans ce jeu l'a été. Ouais, un autre. On peut peut-être parler d'ailleurs du mode actuel, du moins. Rappelons pour ceux qui n'y étaient pas là au début ou qui n'avaient pas compris quand on l'a dit, qu'on est présentement en mode carte boussole. Ça veut dire que les cartes et boussoles ne sont plus dans leurs donjons respectifs, sont mélangées un peu partout. Donc, ça peut être plus intéressant de compléter des donjons parce qu'il y a potentiellement deux objets de plus qui s'y trouvent. On est aussi en épée assurée, c'est-à-dire qu'on a commencé la partie avec une épée, et on est aussi en mode fast Ganon, donc on n'aura pas besoin d'aller compléter la tour de Ganon lorsqu'on aura les 7 cristaux. Dès qu'on a les 7 cristaux, Ganon est vulnérable, le trou est déjà dans la pyramide, on tombe et on va le tuer. Et une petite précision, on a une épée dès le début, mais il faut parler à l'oncle pour qu'elle soit activée. Bon là, pour le coup, là, c'était une bonne idée de parler à l'oncle, mais il avait les bottes, donc... Oui, donc c'était un oncle très 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 agréable à visiter. Vous devriez aller visiter votre famille plus souvent, tout le monde. Bah peut-être pas avec le... Ouais, non, je vais dire, c'est pas le moment, là. Moi-même, j'ai pas vu ma famille depuis 3 mois. Non, c'est pas trop le moment. Prenez soin de vos proches et restez un peu loin en ce moment. Oui, c'est ça, dites-leur. Visitez-les virtuellement. Voilà. On a des gens sur Discord, et ben voilà, on peut avoir mamie sur Discord aussi. Est-ce que ça va être...
Ah, oh, j'espérais presque avoir Quake ici sur To The Rock avec Quake dans Spike Cave ou sur le pendentif vert. Alors, par contre, là, moi j'irais rapidement faire le premier coffre de la Hookshot Cave avec les bottes. Parce que on l'a vu, le grappin dans la Hookshot Cave. Ça existe. Oui, c'est pas vrai. C'est pas qu'une légende, hein, c'est... je vous jure que ça existe vraiment. Ah, je crois qu'il va le faire justement par Adaptation. Oh non. Ah, il m'a le faux espoir terrible. Ah oh. Casse-pied cette histoire. je croyais vraiment l'avoir forcé avec, ma force mentale, mais non, même pas. Et le grappin aurait pu accélérer quelque chose, quand même. Entre autres, il aurait pu permettre de faire le donjon en Gomode, il aurait pu permettre d'allumer les torches qu'on va voir très prochainement de façon un peu plus efficace. Il faudra d'ailleurs que Paradox pense à faire le tour habituel du jeu Vanille. Il n'y a rien, vraiment rien dans Mayer et dans Ice, c'est quand même... Ça a été la last location un petit peu pour les deux, c'est Mitz et ce grappin. Oui, et Aga. Et Aga, effectivement. Ah ben, il y avait Nephistos qui avait laissé tomber Agina, mais sinon, effectivement, c'était beaucoup de last location. Ah oui, mais Bargon, on aura des modes un petit peu plus funky dans ce tournoi, sachant qu'il y en a eu déjà, hein, c'est juste que là, Paradox et Nephistos n'ont pas choisi des... je pense à du Kisanity, Boss Rando, ce genre de choses. Et je crois qu'on pourrait avoir des trucs un petit peu plus fun, genre de l'inverted en phase éliminatoire. Oui, et du Swordless aussi, donc un mode sans épée. Oh, on peut... petite inverted Swordless là. Petit Kisanity avec, alors c'est un plaisir. Ah oui, et avec des boss shuffle en plus. Ah non, si tous les joueurs se mettent à utiliser tous leurs jetons. D'ici la fin du tournoi, on va avoir tout un spectacle. En fait, on en a déjà un, à mon avis, mais ça va être... ouf! Attention, elle est quand même très très casse-pied cette pièce, mais là, ça va, ils s'en sortent très bien. Et, Quake! Amusant. Ouais, un bel objet dont on servira pas dans cette scène. Un objet, s'il était. Si on envoyait la vidéo il y a 15 ans à quelqu'un en disant voilà, quoi qui était dans ton truc, mais c'est pas possible. Je me souviens être tombé sur du randomizer et les gens n'avaient pas compris. Ils avaient dit qu'on avait hacké le jeu. Oui. C'était de la triche de faire des bombes jump et tout. Et c'était un peu amusant aussi les débuts du speedrun où les gens comprenaient pas ce qui se passait. Je pense aussi aux premières vidéos de TAS qui sont remontées de Nico Video, donc le service japonais, sur YouTube après, et les gens étaient complètement mystifiés. Oui, et est-ce qu'il y avait du over dans ce TAS aussi? Ah oui, clairement. on savait déjà. Par contre, je sais pas si tu as eu Paradox, mais quand il était en forme de bunny, c'est le carapuce avec les lunettes de soleil, tu sais, le chef du groupe, dans les tout premiers épisodes de Pokémon. Ah, je n'ai malheureusement aucune connaissance terrible. En Pokémon. Je n'ai jamais joué à un jeu, jamais écouté une émission. Je suis. Ça manque à ma culture. Dis-moi. dis-moi si j'avais un jeu de Pokémon, lequel me recommanderais-tu? Un premier? HeartGold Soul Silver. L'un des deux. D'accord. C'est simplement le... Oula, Nephistos. Simplement l'un des meilleurs, je trouve. J'en un remake de la deuxième génération... Il est bien équilibré, il est très long, contenu, il est beau. C'est du rétro gaming puisque c'est de la Nintendo DS. Ah. Hey, salut Julien. Oh. Ça s'appelle des podcasts. Le podcast. Mimic Cave. J'y crois à mort. Petit grappin. Ah, pas du tout. Moi, j'ai un bon souvenir de bot dans la Mimic Cave avec le grappin dans les bons crocs. La première site que j'avais faite à l'époque. En tournoi. Un baptême du feu. Donc tu colles le grappin dans le shot cave, il est là. Bah on va voir.
Et Néphistos qui récupère son 1, 2, 3, 4, 5ème cristal dans Mayer. Petite clé. Et peut-être, bon, comme dans les trois quarts des sites qu'on a commentés ici sur Speed Gaming français, la solution sur Laser Bridge. Je préfère quand même ton call de la caverne du grappin. Ah, il est plus rigolo. Hein. C'est quelque chose qui est en logique avancée, mais pas en logique basique, je crois, de placement des objets. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. Non, okay. Tout à fait, c'est ça. Et ils sont en logique avancée, puisque de base, on est en logique avancée, et on peut utiliser un jeton pour descendre en logique basique. Ouais, ce qui n'est pas arrivé très souvent. C'est pas arrivé souvent, mais en fait c'est intéressant de se remettre en basique parce que ça te change des habitudes de jeu. Et ça, comme ça change la logique virtuellement, elle est pas si basique que ça puisque on joue que en advanced. Hey ah, il est là ! 1h30 minutes et 41 secondes, le GoMod pour Paradox sur Laser Bridge. GoMod sur Laser Bridge. Ouais, bon, donc on vous l'a dit, hein, c'est 40% des sites, c'est comme ça. Alors on verra pas la fille de la pyramide, on verra pas le boss de Pod du côté de Paradox, alors. On termine Turtle Rock, on va faire, je présume, Swamp, puis ensuite Ice pour terminer, et finalement Ganon. Et les flèches d'argent, oh oui, c'est vrai, il verra pas les flèches d'argent. Ice. Ouais, elles étaient dans le premier coffre de Ice, je crois. Ouais, tout à fait, le coffre avec les Penguator, Pengui, truc. les pingouins qui glissent. Et voilà, les deux coups de Ice Rod absolument requis, mais si peu prenants finalement. Oh là là. Très beau combat jusqu'à présent. Salut Léon. Voilà, et avant que le boss ne se mette dans sa dernière phase, il y a un petit temps où la tête du boss prend les dégâts. Avant que voilà, ce soit uniquement la boule du milieu, mais là c'est fait par. Ça fait un très beau combat. Et il va filer. Et alors Ice en Gomoth, c'est très rapide. Swamp, ça l'est un petit peu, si on sait faire du Diver Down, et je pense que Paradox le sait. Mais en fait, les deux ont déjà fait un tour dans Swamp, donc... Bah oui. C'est vrai, on peut faire un autre Diver Down à l'arrière, donc ça pourrait accélérer un tout petit peu aussi, effectivement. Oui, j'ai même pas calculé qu'on avait été dans Super Bunny, mais en même temps, 3 bombes et 10 flèches. Voilà. voilà. Donc il y a un Turtle Rock d'écart quasiment. Voilà, Néphistos qui penche. Ben, il s'essaie. Peut-être qu'il va avoir la quatrième. C'est pas idiot. Hein. Ouais. Il pourrait y avoir quelque chose. Il pourrait y avoir le grappin. Il pourrait y avoir la quatrième épée. Il pourrait y avoir le champignon. Parce que je pense que le jour où tu trouves le grappin ici et que tu gagnes tes courses grâce à ça, tu fais ça paye, enfin. Oui. Et c'est déjà arrivé. Et bien sûr que ça arrive. Ça arrive de temps en temps, c'est rare quand même évidemment le grappin dans Hookshot Cave, mais... Pour les intéressés, il existe. À quelque part, on peut sûrement trouver le lien dans notre Discord, dont on va rappeler les coordonnées ici. Il y a quelqu'un qui a fait 50 000 seeds de façon automatisée, j'espère, et a analysé les statistiques, les pourcentages de chances qu'on trouve un objet requis à certains endroits. Puis il y a des endroits qui sont... très intéressant, il y en a qui le sont moins. Entre autres, on pense à Skull Woods qui a presque un tiers des chances d'avoir un objet de progression qui se trouve dans les sites. Là, on parle évidemment d'un mode Open 7-7, je présume, là, mais quand même. Je serais intéressé si quelqu'un pouvait ressortir des archives cette étude. Parce que moi-même, je ne l'ai pas vu depuis longtemps et j'aimerais bien le revoir. Le paradoxe a bien skip, c'est... bien skip ses silvers et on le comprend en même temps. Là il va aller très rapidement boss. Ah bah. Il suffisait que je le demande et c'est toi qui me le donne. Alors j'ai été chanceux de le trouver rapidement. Vous pourrez vous amuser avec ce petit document là, ça peut nous aider à influencer notre façon de faire les parties. Hey, très beau pour Paradox, un post buffer qui a été très efficace. Là, on voit quand même que l'Icebreaker se fait gagner un temps absolument dingue pour aller jusqu'au boss. Absolument, surtout quand on fait le donjon en go mode, c'est triste un peu parce que Néphistos, lui, va avoir... on pourra pas avoir fait de go mode de donjon.
va avoir. Il a pas la clé. Ah non. Il remonte. Il faut qu'il remonte. Il est pas ouvert les coffres. Il te faut une clé. Ah, ouais, y en a une là. C'est ça. Mais il faut la récupérer. Voilà. Il faut ouvrir le coffre. Il y en a une sous le pot. Enfin, sous le pot, sous le bloc. Non, où est la dernière épée? Je pense qu'elle doit être dans la GT tout simplement. Ah, au nombre d'objets qu'il y a là, il y a des très 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 fortes chances. D'ailleurs, c'est quand même impressionnant qu'on ait réussi à remplir notre inventaire autant sans avoir mis un pied dans la GT encore. Ben encore, ouais, tout à fait. On le fera pas tout simplement. Ouais, pour une phase canon, il y a beaucoup de coffres qui ont été ouverts et beaucoup d'objets trouvés. Bon, c'est vrai, quand on regarde le tracker en bas, l'Ether, ben Ether, on va le... Ah, il va pas le trouver, Ether, je sais plus où c'était, mais... Je pense qu'il était dans Ice aussi. Ah oui, exact. Ouais, à part les deux, c'est le seul truc qu'on saura pas où était, c'était le champignon. Sur le tracker. Donc finalement... Et les autres c'est le Lolia qui... C'est le Lolia du coup qui a beaucoup travaillé. Oui, merci énormément. D'ailleurs... revoici les liens pour aller faire un tour sur sa chaîne Twitch. Alors... Ah, hey. Et là le spin et les gros coups de baguette. Avec la demi-magie, c'est tellement rapide. Avec vraiment là. Paradox est un char d'assaut présentement. Le Panzer. Et voilà, on a notre 7e cristal. Alors tristement pour nous, on n'aura pas de jeu de la grosse clé de la tour de Ganon. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme jeu? On pourrait avoir le nombre de téléportations dans la phase 3 de Ganon? Qu'est-ce que t'en dis? Oh là là. Je sais même pas combien il peut en avoir. Ah, je sais pas. Je crois que c'est 15, mais... Je pense qu'il n'y a pas de limite, techniquement. Je me suis... Ah oui, mais c'est une chance sur deux, par contre, oui. Une chance sur deux, mais c'est ça, donc... Oui, techniquement à l'infini. Andy montait à 40 plus une fois. J'avais justement cette fois-là en tête aussi. C'était très, 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 très long. Alors, moi, je vais dire 7. Je sais pas c'est quoi la moyenne. Je sais pas, je vais dire 8. 15, oui. Ouais, c'est vrai. En supposant qu'on manque aucun coup de balle normal. Mais je sais pas pour toi, Grank. Moi, ça m'arrive d'en manquer. Oui, beaucoup. Ah, pas beaucoup, mais ça m'arrive de temps en temps sur Ganymede. Oh, mais là... Parce que je suis en train d'essayer de faire autre chose en même temps, tu vois. Ah non, c'est vrai, il nous manque... Hey, il nous manque un cristal encore, donc on est un peu à l'avance. Mes excuses. J'étais trop emballé par... Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a... Il y a Swamp à faire très rapidement. Je me suis dit qu'il prenait la flûte 4, et je me suis dit, mais c'est idiot, faut faire 5 quand on a les bottes. Enfin, c'est idiot, c'est pas optimal. Et bah non, il a pas Swamp. Ça va aller vite, hein, quand même, cette deuxième partie. Ouais, effectivement, avec le Diver Down en plus, avec l'épée trempée contre Argus, ça va être du gâteau. Alors, le monde, on souhaitait quand même pas mal de téléportations à Ganon. 7, 10, 9, 12, 6 et 8. Ouais, je pense qu'il y en aura moins que ça. T'avais dit combien, toi? T'avais dit pas beaucoup. J'avais dit 8, mais... J'avais dit 8, mais bon. On verra. Je sais pas. De toute façon, malheureusement, vous pourrez pas monter dans notre leaderboard. Rappelons que pour le jeu de la tour de Ganon, on a un petit leaderboard ici qu'on peut peut-être afficher. Si jamais vous revenez à une autre partie dans laquelle on va dans la tour de Ganon et on cherche la grosse clé, alors vous pourrez faire partie potentiellement de ce classement qui est présentement mené par Dim Dimou avec 77 points. Ça me va pas du tout. J'étais dans ce classement à un moment, mais je ne suis plus. Ah, ben tu dois regarder plus de parties ou... j'en regarde, j'en commente, hein, je joue, mais c'est jamais 21. Ah, oh, tu dis 21, c'est ton... Oui. Voilà. Il y a quelqu'un... Ouh, ça vaut même pas les coffres. Paradox qui ne gamble même pas. Et le Rayback. Ça va aller rapidement.
le dernier boss Into Ganon, je pense qu'on va du coup sur du 1h45-46. Peut-être moins. Ah, Nephistos qui... Ah, qui va prendre la safety, il a raison. Ouais, alors, c'était le go mode était en 1h30-41 pour Paradox, donc on était à peu près 10 minutes d'écart en go mode. Ouais, par contre, ouais. Paradox a eu à compléter Ice Palace, dans lequel il n'avait pas encore mis les pieds. Nephistos, lui, l'a déjà complété, il va le rester swamp seulement, donc peut-être 6 minutes, je sais pas. Un petit peu moins. Et 40. Ouais. Oh, le compass de désert. On peut t'inquiéter. Go mode pour Nephistos en 1h48 et 25 secondes. Donc, ouais, on est à 10 minutes d'écart, mais il y a Ice en moins. Et Nephistos qui prend une mort. Et ça va pas l'arranger. Alors, c'est une mort exprès, hein, attention. Oui, pour se remettre un petit peu de cœur. Tout à fait. Il laisse les coffres de côté. Il est en tempered, il a ses silvers, il sait que voilà, ça va pas lui faire gagner beaucoup de temps de toute façon de regarder ses coffres s'il ne peut trouver que la Butter Sword. Paradox qui va flûte 5. Bon bah flûte 4, mais. Ah On a fait gagner, mais c'est 4. Mm-hmm. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois. On sauve de précieuses secondes. Il a pas son filet. Ah si, il a son filet. Ah, oui, il a son filet. La personne n'est pas filet. Non, pardon. Confondu acide avec hier soir. Mais on en enchaîne, c'est terrible pour son cerveau. Mais tu es Ganon au filet, ça serait. J'aimerais savoir ça. Non, mais le filet était sur la pyramide en fait, hier. Et donc, je me suis dit, il pourrait récupérer la fée dans le truc en bas. Et c'est mal le grappin. Vas-y. Je t'en prie. Le grappin était sur les Abridge, donc je crois le troisième coffre à partir du haut. C'est le premier à gauche, donc oui, c'est le troisième, on va retourner du bas vers le haut. Ah bon. Je sais pas pourquoi je me suis compliqué la vie, ça change rien. Si vous faites 14 divisé par 5 multiplié par la racine carrée de 23, vous allez trouver le numéro du coffre sur les Abridge. C'est exactement ça. On embrasse du coup Scary Live, qui sait aussi bien compter que nous. Alors, avec la cape, l'épée trempée comme ça, Paradox ne fait que de boucher. Les téléportations. On est à 2. Ah, ça fait une pour moi. Ah, ok. Tu vas se compter alors. Ah, maintenant qu'on 6. Les compte, ça paraît plus long, tu vois. Oui. Ben, il y en a fait quand même pas mal. On est rendu à 7, 8, oh, 9, 10, 11, oh là là. 12, 13, 14, 15. 16, on a dépassé toutes les prédictions. Ouais, 7. Vous êtes méchants, les viewers du chat et tout. Voilà, déjà, 18. On a tout dépassé. 19. Ah, 19 téléportations. Ah, ça va. Celle-là, je la compte. Nice Palace. Alors, le Tortuguier, tu vois, attention. Ouf. Alors, ah, bah, il a passé Silver, j'allais dire pourquoi il. 2. Ah! Alors, on a le sixième des coups de fait déjà. On est rendu au quart. Le tiers. C'est beau. Pratiquez vos fractions avec Ganon. 5 douzièmes. Pratiquez vos face Ganon avec Paradox surtout. Pas vos face Ganon, vos Silverless. Bah, face Ganon aussi. Ah oui, ça va très bien. Les Silverless sont très très propres. Hein. Ça va très 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 rondement. On est rendu à 7. Ça fait des triples, hein. Quasiment. 9, je crois. Je te fais confiance. Tu devrais peut-être pas. Pas faux. 11, et là, je crois que c'est le dernier coup. Et voilà. Et vous pouvez mettre vos GG dans le chat. Pour Paradox, qui va fort probablement gagner ce match. C'est pas terminé, il doit traverser le pont, ne pas tomber. Ouais, mais il peut pas tomber. Enfin, il peut pas tomber. Ah. Et c'est fait, Paradox qui gagne donc son match contre Nephistos avec un temps officiel de 1h44 et 16 secondes. GG à lui. Je pense qu'il nous rejoint à l'interview. Peut-être.
Peut-être. Le temps qu'ils nous rejoignent, il n'y a pas d'urgence. Non, c'est ça. Néphistos. Néphistos a possiblement vu que Paradox a terminé, mais continue quand même, et vraiment, je le comprends, il reste presque rien à faire, il a presque terminé la partie. Puis, il reste peut-être 5 minutes environ, le temps de finir et de revenir. Et Paradox il nous a rejoint. Hello, GG. GG. Merci. Cette seed, c'était la grande quête pour trouver les mythes. oui, on l'a vécu comme ça aussi. Quand même beaucoup de last locations aussi. Le début, assez contraignant. Ben, le début était bon. Jusqu'à les mythes trolls. Du coup, j'avais très peur pour Elmazar. C'est ça. Oui, puis il y avait le pendentif vert aussi. Même, on avait peur pendant un bout de temps que tu veuilles aller vérifier ton pendentif vert et que tu en profites pour faire Elmazar qui avait finalement rien du tout. Ouais, c'est ça. La façon que j'ai routé, j'allais faire Swamp, puis après ça, j'allais faire Pandem, puis Elmazar en dernier. Est-ce que t'as jamais donné ton pendentif vert au final? Non. Je sais pas ce que ça sera là, mais il y avait rien, je sais pas non plus. Oui, il y avait rien d'intéressant absolument pour la seed. Mais vous avez été assez serré tout le long avec Néphistos, hein. Surtout dans le Light World, vous avez Last Check. Enfin, Last Check. Et Last Location, finalement, le. Ah, oula. L'accès au Dark World. Je m'attendais à ce que ce soit un Naga Seed. Donc, j'ai quand même préféré faire tous les checks. Là. Je pense que le moment officiel où tu as pris l'avance sur Néphistos, c'est justement au moment où tu as décidé de ne pas faire Elmazar parce que lui s'est rendu jusqu'au bout. À partir de ce moment-là, ça restait serré vraiment, mais tu avais une petite avance confortable qu'on a pu admirer vos belles exécutions parce que les deux, vraiment, vous avez très bien joué. La tienne, j'étais toujours impressionné parce que à chaque fois qu'on regardait je regardais de ton côté d'écran, presque toutes les fois, tes cœurs étaient tous remplis, donc ça allait toujours très bien, peu importe dans le donjon où tu te trouvais. Donc félicitations, c'était vraiment très beau à voir. Avec la tunique rouge, ça l'aide aussi. Sinon, la scène était plutôt linéaire, si tu comptais pas les mythes qui étaient dans Swamp. J'ai gamblé aussi, c'était Turtle Rock qui était Bombos. Donc ça a aidé à pas aller dans Ice Palace rapidement, puis faire tous les checks d'Ice Palace pour rien. Ouais, Néphistos, il a perdu un petit peu de temps justement à full clear Ice, mais il a trouvé ses Silvers dedans. Ok, les Silvers étaient dans le premier chest? Dans le tout premier coffre, ouais. Le tout premier avec les pingouins. Au début, je pensais le faire, mais j'ai décidé, pourquoi pas le skip. Ah, c'est compréhensible dans ce genre de choses. Mais ouais, c'est du coup un peu linéaire tout le long. C'est pas forcément les plus désagréables, hein, surtout que vous aviez tout l'équipement nécessaire pour faire la scie tranquillement. Ben, commencer avec les bots, ça, c'est un gros plus aussi. Ah, clairement. D'autant plus qu'on avait l'épée aussi, c'est toujours agréable d'avoir l'épée en cours avec les bots. Ouais, comme ça je peux clear le château d'Hyrule rapidement. En effet, il a trouvé sa Butter Sword, je sais pas où, mais il l'a trouvé. Ben, il a fait les coffres du Laser Bridge en commençant par le bas, donc c'est peut-être là que j'ai pas porté attention. Peut-être. Swamp. Ah. Swamp, ah voilà. Ah, les deux coffres dans le Diver Down. Hein. Merci. C'est vrai que t'es passé devant Paradox, donc finalement t'es passé à côté d'une Butter et des Silvers avec ces deux coffres-là. Rentre en Go Mode, Ganon, oui. En Tempered, ça se fait bien. Là. Oui, clairement. Oh, Néphistos, du coup, il va aller rapidement finir ça. Je pense qu'il y en a pour une. Selon son exécution, une quarantaine de secondes. Donc, une seed assez serrée, en fait. Et encore deux flèches. Et je pense comme ça, on sera content de vous avoir tous les deux en commentary. Vous avez eu le temps de discuter un petit peu, j'ai vu, sur SRTV. Oui, ben on a parlé de nos différences. J'ai fait une petite bêtise dans pas, dans mal comptant mes clés.
Oui. C'est arrivé. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas aller faire Almazar, en fait. Parce que je me suis trompé sur mes clés, puis j'ai bien fait de retourner avec le livre. Malgré que le livre, je crois qu'il n'était pas obligatoire dans Seed. Et vous pouvez déjà dans le chat, hein, parce que Néphistos vient donc de finir sa Seed avec un temps officiel de 1h49 minutes et 41 secondes. Donc soit 5 minutes et 25 secondes d'écart entre vous deux. Ce qui est peu. Alors le timer Néphistos qui continue à tourner, mais ne vous en faites pas. C'est plutôt close, ouais. 5 minutes. Alors, on va essayer d'inviter Néphistos pour venir nous rejoindre dans notre vue. D'ici là, Paradox, peut-être que tu pourrais nous parler de tes prochains matchs, parce que là, présentement, tu en as 8 de complétés. Il t'en reste 2, dont un contre moi-même. Et l'autre va être contre qui? C'est Slapshot Fred, dimanche. Puis j'ai contre toi vendredi prochain. Excellent. Donc, En ce moment, mes chances d'être dans la force bracket sont assez élevées, mais ne sont pas encore 100%, dépendamment de Yuki Kaze ou Fred. Et en parlant de joueurs, justement, on a Néphistos qui nous a rejoint. GG. Oui, bonjour tout le monde. Bah, excuse-nous. Alors, comment ça va dans cette seed? Les mythes. Honnêtement, c'était cool. Mais quand j'ai vu que c'était linéaire, je me doutais que j'avais perdu. Parce que c'était trop linéaire, et vu que j'ai Last Location, les mythes, c'était compliqué. Enfin, à part Motula, quoi, mais bon. En ayant fait pod dans le vent, déjà, ça fait mal. J'avais pas map check pod, mais je me suis dit, bon, je suis dedans, alors autant le full clear. Que ça m'est déjà arrivé plein de fois de perdre parce qu'il y avait un item sur Almazar. Mais bon, On t'a vu y retourner, mais finalement ça n'a pas payé et ça t'a mis un petit peu en retard. Oui. Et après la linéarité de la seed, où toi t'étais dans Ice et tu l'as full clear par rapport à Paradox typiquement. C'est donc ça s'est joué à très peu de choses en fait. Hein. J'ai pas eu de chance que TR et MM avaient le même médaillon. Parce que j'ai trouvé Ether dans Ice Palace, et quand j'ai trouvé Ether, j'étais trop content, parce que je me suis dit, bah, si c'est Ether à TR, j'ai fait le bon move. Surtout que c'était dans Ice City. Donc, bon, j'étais content, puis j'avais trouvé les Silver pour Vitreous. Donc, moi, je me suis dit que c'était un bon play d'aller à Ice d'abord. Et j'ai pas eu de chance que TR soit à bon boss aussi, quoi. Ça m'a un peu mis dedans, mais c'est comme ça. Moi, j'ai préféré vérifier Turtle Rock, prendre 2 minutes pour vérifier, voir si c'était le même médaillon. Puis j'aurais été dans Ice après. Ouais. Après, c'était 1 chance sur 3, j'aime pas trop. 1 chance sur 3, j'ai du mal. Je préfère faire la prog sûre d'abord, mais bon. Après, on n'a pas de chance sur ce coup-là, c'est tout. Puis en plus, le fait de monter à TR et tout, sans hookshot, fallait faire tout le tour. Donc ça m'embêtait de vraiment aller check juste TR pour faire tout le tour et tout. Mais bon, après c'est un choix comme un autre. Hein. En tout cas, j'aimerais réitérer le fait que les deux vous avez très bien joué. C'était une très belle course à voir. Ça a été serré pour nous, pour le chat, qui ont trouvé ça très intéressant aussi, j'en suis sûr. Donc merci et bravo à vous deux encore une fois. Alors, on a parlé un peu avec Paradox de ces parties à venir. Toi, Néphistos, ça te fait ton 7e match de compléter. Il t'en reste 3. Pourrais-tu nous en donner des détails si tu en as? Alors, j'ai mon match demain à 15h contre Slapshot Fred. Mon premier match, c'est le premier. La semaine prochaine, donc samedi prochain, si je dis pas de bêtises, le 6, j'aurai mon match revanche contre Slapshot. Et puis, j'ai encore un match contre Little Miss à schedule, mais pour l'instant, on l'a pas schedule. Parfait. Alors, on va les rester à l'affût de ces matchs-là avec grand plaisir. Il y a beaucoup d'autres matchs encore qui restent à venir d'ici la fin du tournoi. On peut peut-être en glisser un mot, entre autres, aujourd'hui, à midi 10 pour les Canadiens et 12h10, que dis-je, 18h10. 18h10 pour les Européens, oui. Il va y avoir AMU contre Arxark qui va être rediffusé ici fort probablement sur Speed Gaming français.
On cherche un commentateur et un tracker pour ce match, par ailleurs. Petite annonce, dans 2 heures. Dans 2 heures. Alors, gênez-vous pas de venir sur le Discord pour nous en glisser un mot si ça vous intéresse. On a aussi à la même heure Néo Matamune contre Guaylabel. On a à 15h. Oui, c'est bien ça. 15h10 okay. En Amérique du Nord, Babas 88 contre Cox 031, c'est-à-dire 19h10 en non, Europe. 21h10. 21h10. C'est pas facile, oui. Hein. Oui, non. C'est 9h du soir, voilà. 9h du soir. Oui, exactement. Merci, 9h du soir. Continuons parce qu'il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui. On a Kinop contre François Arpi une demi-heure plus tard, c'est-à-dire à 15h40 au Québec et 21h40 en Europe. On a Zoff contre Sushi Photo qui va être diffusé sur Speed Gaming français à 17h10 au Québec et donc 23h10 en Europe. Metroid contre Slim Shady une heure plus tard, donc à 18h10 et minuit 10 en Europe. Et finalement, Armentis contre Guiz DP à 19h10 ou encore beaucoup trop tard pour les Européens. pour les insomniaques. On juge pas, on est vendredi, c'est le week-end. Oh, il m'en manque un, je l'avais pas vu. Il y a Snapshot Fred contre Militaire Miss Arcade à 20h10, ce qui fait 2h10 du matin, je crois, en France. Qui sera aussi restream cette fois-ci. Voilà, beaucoup de matchs. Si vous voulez du rando, il y en a beaucoup. Et comme on le dit dans le chat, là, Néo contre Guaylabel donc dans 2 heures, qui ne sera pas restreamé ici, mais qui sera absolument essentiel et important pour la qualification de ce groupe. Donc en tout cas, merci à vous les runners d'être venus en interview. Encore GG. Merci d'avoir commenté. Ça fait plaisir. Ça nous a fait plaisir d'avoir reçu. Du coup, ouais, on sait contre qui vous jouez. Vous avez encore quelques matchs seulement. On reçoit pas mal de bons élèves en ce moment, je trouve, parmi les runners. Des gens qui ont fait 7, 8, 9, 10 matchs. Je dis pas ça parce que j'en ai fait que 3. Non, c'est pas vrai. Mais ouais. J'en ai pas fait assez. Et merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas donc à suivre les deux runners sur leur chaîne Twitch. Suivez aussi mon co-commentateur Juif qui pousse la chansonnette et Lololia qui pousse moins la chansonnette mais qui a été aussi tout utile pendant ce match pour le tracking. Vous suivez ma chaîne également, mais ça c'est pas très très grave. Et vous avez le lien du challenge et les horaires qui s'affichent également dans le chat. Merci à tous de m'avoir suivi. Et moi je vais vous voir dans le chat d'ici 2 heures puisque je ferai le broadcast du prochain stream. Merci à tous et puis des bisous. Je te laisse le dernier mot, Juif. Alors, je n'ai pas de dernier mot particulier à part merci à toi, Grank. C'est toujours un plaisir d'être ici avec toi. Alors, merci au chat aussi d'avoir été là. On est très heureux que vous chattiez avec nous, que vous regardiez du rando avec nous et que vous soyez dans notre glorieuse communauté. Donc, merci pour tout le monde et à la prochaine. Salut!